Et Desi Venès, il y a un conseil permanent OEA qui lui-même voté à l'unanimité une résolution et pour dire que pour transformer la mission multinationale en mission de et la paix, en mission des Nations Unies, eh bien, Kounia, il était pour que vous acheminiez résolution ça, bon côté conseil sécurité des Nations Unies, qui lui-même pral connaît, est-ce que vous pral d'accord, est-ce que vous pral accepter pour que mission multinationale a transformé en une mission onusienne. Et en même temps, tout des Ivenès, qui est responsable d'un médecin sans frontières, qui eux-mêmes, ils ont condamné complètement la police, ils ont fait qu'on est que, eh bien, côté que tu as une ambulance médecin sans frontières, qui te gagne là-dedans, en 10, 2 à 3, et jeune garçon qui est blessé, eh bien, policiers, yo, eh bien, ils ont forcé personnel et médecin sans frontières, yo, baillé, en 10, et patient, yo, et par la suite, n'apprendre que sur le médecin sans frontières, ils ont appris à exécuter, et mes 3 mounsayo qui ont même été blessés, bien que l'information qui soit posée, est-ce que Mounsayo, c'est à de présumer bandit ou taillé? Est-ce que c'est à des innocents qui ont taillé? Mais jusqu'à présent, il y a trop d'états pour connaître est-ce que c'est vrai ou pas. Est-ce que vraiment tout, que policiers qui étaient campés ambulance, non? Est-ce que vraiment vous prenez Mounsayo à l'avec yo? Est-ce que vous tuez yo? C'est des questions que l'a posé par rapport avec la question ça. Désir, gagner. Encore réaction qu'a fait en dedans pays après que KPT a fini révoquer PM ancien PM Gaïkouni et qui décide de nommer Alix Didier Fizeme, eh bien gagné en pile acteur, gagné en pile leader politique qui ont même salié rivé Alix Didier Fizeme, mais gagné tout qui jusqu'à présent a critiqué KPT dans la façon que révoqué et PM alors Gaïkouni et je dis eh bien gagné en même leader Sayo qui continue à exiger eh bien, démission, mais révocation, 3 conseillers qui nous cités dans le scandale corruption BNC1, n'a parlé de Louis Gérald Gilles, Emmanuel Ventilaire, Smith Augustin, et mes 3 messieurs Sayo selon ensemble de leaders politiques Sayo, yo croyez qu'il faut que révoquer messieurs Sayo parce que yo pas digne pour continuer à engager l'État, yo pas digne pour continuer à prendre de responsabilité dans l'État. Pendant que Barbecue Jimmy Cherizier, eh bien, qui c'est papa et puis président vivent ensemble, monsieur sermenté que y a capoté capétéen qui notre paysan désire venir ça. La situation de même sang divers l'autre acteur qui a pris position sur question nomination et premier ministre Alix Didier Fizeme ambassadeur pays Canada en Haïti lui même dans zone parle la situation li pa bay un chèque en blanc avec premier ministre et Alix Didier Fizeme et selon ça qu'elle fait quoi ensemble action que et monsieur dame qui le conseil présidentiel yo a essayé d'opposer pour montrer est-ce que li gen légitimité dans ça qui gen pour avec la transition haïtienne qui pral rive mettre fin dans action que yo gen pour opposer ça qui gen pour avec question sécurité organiser élections crédibles pour combattre la corruption et l'ambassade a assuré que réduction compte et qui pratique pour avec situation qui gagne dans le pays d'Haïti. Diplomate a réaffirmé engagement que Ottawa est pour capable d'être solidaire avec les Haïtiens qui connaît situation qui est extrêmement difficile. Blaise personne, coup de balle passe suspendu chanté dans le niveau capital pays, dans diverses zones, dans la région métropolitaine. Moun passe suspendu courir pour abandonner ensemble espace côté tap vive. Surtout si là, ou qui dans Solino, yon par contre, qui 5 yon doué adresse yon. Non, ça, moun a perdu la vie. Y a des images très choquantes de familles qui a bien ensemble, que bandits criminels vivent ensemble yon touye, malgré Jimmy Cherizier alias Barbecue, moun trio, c'est dans révolution, dans bataille contre système qui lié, mais malheureusement, qui est-ce qui a victime dans bataille contre système, non, Blaise personne, amis internautes, c'est malgré malgré ce que dans une situation très difficile pendant la valas à Piaïakol, à Gaïkol, parce que yon a tout kaota dans le tout pouvoir dans le après, la police te fin défilé. D'ailleurs, Chantal Joseph, chef opposition plurielle, dans rendez-vous 33, dans Delma 33, semaine passée, eh bien, lui sorti dans silence dans conférence pour la presse, qu'elle baille pendant journée hier, eh bien, c'était divers militants qui te répondent présents, qui battent bravo la contentement. L'elle tendait que Gaïkouni soit révoqué dans tête et primature, elle fait quoi au tas de mettre action publique en mouvement contre Gaïkouni pour crime que Nex a offert en dedans pays à blesse personne, selon Chantal Joseph, nous connaît, qui c'était ancien directeur général ANAP qui t'a dirigé M. Bessapio, malheureusement, qui t'a rajouté une révocation et une révocation que monde est qualifié comme révocation politique que Ariel Henry t'a fait parce que l'État mené bataille ou t'a géré question transition. Non, il t'a estimé que Jean-Tel Joseph était trop naïf, que Jean-Tel Joseph te mettait à Jean-Bessapio à la disposition Guy Philippe pour te battre sécurité à partir de sa blaise. De clé t'a fait, il perd du job li depuis l'aura. Jean-Tel Joseph annoncé qu'il a l'opposition avec ensemble gouvernement qui gagne en pays et continuer à prendre bâton pèlerin malgré opposition plurielle là pour faire beau recette dans la situation.
Et des informations là que confrère nous Valérie Maté et partager sur compte X li, bah c'est li important, mais bah bon petit désir et gars qu'on y fait toute façon pour que li pat et aller. Gars qu'on y fait toute façon pour qu'elle pas aller. Parce que selon ça qui dit bon côté Valérie Numa, il dit que Konit et alors en CPM Gaye Koni, il t'a demandé avec actuel DG et la police en Ramon Omil pour qu'elle t'ait bloqué accès à villa d'accueil pour empêcher ces monisades à la CPM fils et mère fait. C'est bien. Selon Valérie Numa, il fait connait que Gaye Koni, il t'a demandé DG et la police qui là Ramon Omil pour bloquer accès avec rentrer villa d'accueil là une manière pour empêcher cérémonie installation PM fils mais en fait DG la police qui senti que primati en faiblesse li relé CPT yon li dit mais ça koni mandé le fait il décidé pas faire ça koni mandé le fait et laisser du désir selon Valérie Numa c'est ça qui kembe Ramon Omil toujours dans tête la police là. Ça veut dire Ramon Omil monsieur son nèg là joue le compté. Demain samedi hein. Ramon Omil comme DG la police joue monsieur compté. Qui donc ou cassé ici là même Jean connait fait 4 mois li aller ouvrir l'allée hein. Mon cassé dit que Ramon fait 4 à 5 mois, yo voyez Ramon Omil aller. C'est ça pour nous comprendre. Parce que la valas besoin de tout contrôle, tout bagay net. Et yon besoin de mettre joué yo. Je dis yon, et pas question pa e pays kap regle. Bien que jusqu'à présent, tout gen moun ki passe satisfait de travail à moi tout. Jusqu'à présent, gen moun ki passe satisfait de travail à moi. Parce que Ramo et l'LTDG la police, les jute là, li te plein parce qu'il pas de moyen, qui fait qu'il pas de résultat. Et Kounia, Ramo gen, bab se gen tout moyen de kwayo, mais Ramo plus ou moins gen moyen, avec au moins, et plus qu'on soit centaine blindé, quelque part avec deux armes sophistiquées. Et mba se que Ramo plus ou moins, et nan moment gen matériel nan men. Est-ce que gen volonté? Est-ce que gen stratégie? Est-ce que gen moyen comme si m'a dit que dans service renseignement la police pour yon ben résultat c'est là que soit posé mais Ramon Omil an di désir jou monsieur Conté selon ça que Valérie Numa fait connait désir nan question qui gen pour avec et conseil permanent OEA qui décidé voter résolution ça à l'unanimité a dit tout pays qui fait partie du Conseil permanent OEA, ils sont tous d'accord, ils ont signé, ils ont voté pour transformer la mission multinationale soutien sécurité haïtien en une mission onusienne, maintien la paix. Kounia, est-ce que leur fin vote résolution ça et l'État haïtien était déjà fait demande là? Nous songez Edgar te fait demande là? Nous songez que et les civils te fait demande avant-hier? Est-ce que la voie résolution ça va être Conseil sécurité Nations Unies? Est-ce que Conseil là prend d'accord prend accepter pour les mêmes voter résolution parlant pour que transformer mission ça en une mission onusienne? Parce que ça gain là faut me dire ça sincèrement, il méritait une mission, il méritait et vraiment que donner au changer. Il méritait que donner au changer parce que sinon c'est jette si mon affaire là. Bandi yo continue à prendre territoire, bandi yo continue à faire menace, qui donc y a encore fragilisé la vie moun nan pays en désir venir. Très bien. Et gros parlant pile pour yon pour permettre ben dans ville retourner et dans ministère de la justice en pile moun a posé cette question qui côté monsieur dame yo pratiquement sorti avec une question ça qui déjà très décrié sous réseau par rapport avec critique qui a venu à l'encontre des doyens ancien doyen et tribunal première instance Port-au-Prince maître Bernard Saint-Ville selon et sous proche à la primature selon information que réseau a Tibonite t'a partagé qui t'a gagné pour le ministre justice et en pile moun pratiquement déjà en position à l'encontre de ça. Si n'a pas cité, gagne ou dit ça non, gagne et Teriel Telus, nous, nex, a eu fin, madame Diable,
contre Bernard Saint-Ville qui t'a dû vin ministre justice Blaise Peterson ak zami internaute qui branchait un peu de partout. D'après partenariat militaire opérationnel ak l'armée d'Haïti a continué dans semaine ça dans pays Martinique soldats a apprendre tirer dans bataille dans mitanville apprendre tirer dans faire fouille dans machine ak exercer ça qui gain pour avec exercice secouris dans mitan intervention qui a gain pour faire dans divers espaces côté pour gain pour y a travail Blaise Peterson. L'autre information que nous doit connaître juge Jean Wilner Morin pour qu'on y a c'est lui-même qui remplacer Renan Edoville comme protecteur citoyen Blaise Peterson. La décision avait été gapé l'information qu'a bail là, ça veut dire jeudi en là et il faut nous comprendre, ouais tout ça qu'a fait là yo, puis gros ça qui attend et puis gros ça a besoin, c'est question sécurité. Mm-hmm. D'abord, c'est sécurité comme premier ça a besoin dans moment. Sécurité c'est premier ça a besoin dans moment. Est-ce que Andy Rivé Alex DJ Fizeme pral commencer gen un sial qui pral voyer? OK, est-ce qu'il va commencer gon sial qui pral voyer? Est-ce que nous ka di que bandio pral continuer à mettre pied à terre? Parce que pas oublier depuis lundi 11 novembre nan jusqu'à jeudi jodian la, eh ben en pile zone continue paralysé à cause que bandi armé eux-mêmes décider mettre pied à terre des événements. Très bien. Blaise Peterson nan tweet que Valérie Nima, journaliste senior, et fait pour dire que soit ancien premier ministre, Dr. Gary Conny, te mandé avec directeur général de la police, Normile Rameau, pour te interdit accès à Villa d'Accueil, dans l'idée pour te empêcher nouveau premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé, pour te installer. Moi-même, moi gardé plusieurs aspects dans ça. Est-ce que directeur général de la police, li pratiquement mette au service de la République ou bien li mette au service la présidence? Est-ce que ça, c'est pas un acte trahison? Si Normile Rameau t'a décidé de partager ça, Gary Conny t'a partagé avec lui. Parce qu'il fut temps, Blaise. Nous te prenons tout à questionner ça. Est-ce que Normile Rameau, c'est sécurité rapprochée, premier ministre, docteur Gary Conny? Exactement. Nous avons l'impression que tout côté gars qu'on y met des pieds, ou te connaît Normile Rameau là. Mm-hmm. Ou t'as dit que Normile Rameau te vient développer homme de confiance bon côté gars qu'on y. Si estime te qu'on coûte mal taillé des dos la loi, que conseil présidentiel transition a fait pour te révoquer, lui te demande Normile Rameau pour te prendre position. Est-ce que qu'on y a Normile Rameau te besoin de regarder qui est-ce qui a force, qui est-ce qui a faiblesse? Je dis, il vient montrer pas une question de travail pour la population haïtienne, mais c'est travail pour conserver poste, pour conserver pouvoir, pour conserver espace qu'elle gagne. Parce que s'il estime que primature a perdu plume, il parle solidaire avec la primature, malgré qu'on ait corruption en dedans conseil présidentiel transition, là, elle concocté avec eux quand même, et là, elle connaît lui-même comme policier. Comme directeur général de la police, qui paraît inefficace face avec le travail qu'elle vient pour le faire, c'est corruption qui conduit là. Est-ce qu'elle est importante pour faire compromis avec le conseil présidentiel transition, avec KPTA, pour te bailler un coup dans le dos avec Dr. Gary Conny? Comme Gary Conny, déjà fait outre déjà, nous avons un pays pour nous sauver. Si Normile Rameau fait décrire ça, est-ce qu'elle a des bons gens garantis que monsieur qui est dans le conseil présidentiel transition, pour aller bailler moyen pour ne pas finir plus mal que les gens ont été passés dans l'institution, dans cette institution pour la première fois. Parce que jusqu'à présent, sur APC, donc chercher un bilan de Vini, Normile Rameau dans tête la police, Blaise Peterson, on garantit qu'on ne peut pas avoir un bilan qui est excessivement positif, malgré qu'il y ait moyen par rapport avec France LB qui était dans tête la police. Songez avant Gary Conny aller. Disons qu'elle était venue, il était jeune PNH là, dans son ensemble avec. Et 15 ou bien 11 blindés, 15 blindés. Exact. Pour Kounier, il n'a pas dit pour raison stratégique, il n'a pas dit combien que la police a gagné. L'elle était venue, elle était jeune la police avec seulement réserve en semaine de cartouches. Puis au Goumé, c'était à zone qu'elle a Goumé. Et c'est là qu'elle a dénoncé la communauté internationale là, qui bal menti, qui te bal rendez-vous en septembre, pour te permettre qu'elle te gagne 2500 officiers dans quatre missions qui pas présents. Ensemble, ça n'a pas approprié pour résoudre le problème non. Mais comme nous, Monsieur Rameau, Ligue Blende à la disposition, Ligue Officier Kenyan à la disposition, Ligue Zam, Ligue Munition, qui ça empêche que Normile Rameau ba résultat? Comme te gen bataille en deux têtes exécutifs, s'il choisit un camp,
li normalement senti que ça peut-être qu'a porté un plus bon résultat pour retirer le pays à dans ça qui est lié là, qui c'est problème insécurité. Et peuple haïtien, pas qu'attendre, moi t'as souhaité que Noamil Ramo, de retour que peuple haïtien, te prend comme un sauveur, là il devini, lui parler dans la poubelle de l'histoire de la situation. Moi-même, moi, jusqu'à présent, m'attendre, m'a suivi pour moi, est-ce que Ramo vient faire travail? Et ma qu'on est clan ou dis-moi est-ce que je vais travailler pas ici hein? Parce que je dis on hein, peut comprendre vraiment que Ramo n'a pas voulu prendre l'ordre non mais Koni parce que l'estime Koni en faiblesse et vraiment capital puis gauche face Koni mais Koni est-ce que Koni a pour conserver poste job ou est-ce que ou pral obligé servir comme sous-homme ou dis-moi est-ce que prend des décisions cap dans intérêt pays hein? Parce que pas mais supérieur si on est tant qu'on a Noamil Ramo il pas l'autre que Gary Koni dans moment parce que c'était Gary Koni qui était chef CSPN dans la situation. Bon oui ça c'est clair mais Kounia là on comprend bien je dis en des Ivenes que payant nous pas qu'à continuer à faire en question parce que monsieur défend intérêt tête moi nous pas qu'à faire comme ça nous obligé garder payant d'abord. Si c'est comme si était clan m'a défendre et mais on garder bien désir. Mais jusqu'à les pays ça que a vraiment que ça n'est un rassemblement pour nous retirer dans salle là. Je dis la bataille commence à péter dans mi-temps en disant m'a péter yo parce que gagne qui se prend le ministère et gagne qui se mettait moun que il était promet qu'il a bait travail. Et ça une gros bataille dans mi-temps et capeté en. Et équipe Alex Didier fils aimé commencez tout yon même toi ou nous, parce que Ali Didier fils aimé, li gen chapè politik li, li gen de moun ke l te konnen, depuis la ke l tap mené campagne comme candidat au Sénat. Oh, moi, tu remets ton liste de yon là, qui rele team Alex Didier fils aimé. Ah, pas de la chapè de tu remets là. Bon, maintenant, li sa mte wè, et met Aksen Joseph, chef cabinet Blaise, ta veut dire sur cabinet après. Qui l'a non de wè? Oh, moitié ou il a donné, côté monsieur Metel comme vice-délégué à arrondissement. Ton prince, n'est-ce que c'est job qui n'a pas cherché? Et, regardez, je vais vous dire, et toi, Moïse, là, je vais vous demander pour monsieur Méry pour ton prince encore. Tu vas parler de Kito? Ah, ouais, Kito m'a parlé, monsieur. Et toi, Moïse, Jean-Charles, pasteur. Parce que tu as acheté costume, non? Ah, monsieur, exactement. Bon, vois ça, le gars, c'est quoi ça, nous résumer pays, oui? Mm-hmm. Nous résumer pays avec bon petit job pam nan. Ça c'est équipe pam mon petit coûte. Son bégal mon petit coûte. Alors que vrai problème pays a pas posé. Il y a des gens urologue Deborah Joseph mouri là. Hein? Belle graine médecin, belle tête parce que son urologue lié et pas qu'il en pile femme qui urologue en Haïti. Regardez gens ni me dit la ville. Devant clinique il a eu camo. Ça m'a dit ça va dire l'état rien non. Ça va dire l'État en yé, non? Yeah! Ça va dire l'État en yé. Eh bien, nous jusqu'à ce bras, non? Ou t'as des EKPT à condamné, avion qui attaqué, ou t'as des comment PM Didier et fils aimé à condamné, mais est-ce qu'un café comme autorité pour tout à condamné? Nous condamné? Hein? Ah, mon cher. En tout cas, désir. Et bah, les petits ports sur question mission ça, parce que OEA lui même voté la résolution à l'unanimité, qu'on y a monsieur certain, il a pris acheminer auprès de Nations Unies, et qu'on y a Nations Unies pour le connaître, est-ce que lui même là-bas il vote favorable pour que transforme mission ça en mission onusienne? OEA, c'est organisation d'État américain, pas vrai? Exactement. Et il a pratiquement trouvé dans une situation et à travers organisme là. Côté ouais, j'ai haïtien commencé à caler en pile dans haïtien ou a mettre projecteur sur les États-Unis d'Amérique pour dire les États-Unis puis suspendre avec vague violence qui a encouragé et fait en dans pays là et il a pensé docteur ouais, si cap faire un saupoudrage arrangé pour tuer la population haïtienne nan, pour faire temps passer et résolution ça il pas même arrivé et joindre secrétaire général Nations Unies pour même essayer d'entendre Gadel pour réfléchir sur lui parce que si vous regardez Antonio Guterres dans dernier jour sorti c'est limité que la pression dans mi-temps acte haïtien au lieu que yo mette vérité qui permet que yo cherche reste l'argent pour débattre question mission et yo te connaît tout qui a privé dans moment côté a transformé mission ça en yon mission de la paix
et qui prend sous contrôle Nations Unies, qui prend sous contrôle l'ONU, malgré qu'il fait un pile de gardes dans le pays. C'est un autre qui a fait sa vie colère, qui permet qu'il n'y pas de venir physiquement, il n'y pas de venir visiblement dans les commerçants blaises, mais il a fini arriver dans un moment et pour y venir quand même, et en dedans pays, bien que nous connaissons la situation, il n'est pas trop facile, il n'y a pas besoin de chèque en blanc pour y venir avec facilité, même quand l'OEA vote à l'unanimité, il y a ensemble des contraintes, même gens, ou plusieurs correspondances, plusieurs lettres, que le Conseil présidentiel de transition écrit déjà sur question ça. Les personnes sont que les gagnent la Russie, les gagnent la Chine, qui campait comme porte-au-fait, qui dit que yo pas d'accord, question yon mission maintien de la paix de l'ONU venir dans le pays d'Haïti. Et Desi, on a vu avec réaction, peut-être on a vu avec le colonel Imlen Khébi pendant qu'il n'a pas de l'imché la donne et puis il a fait des réactions tout. Et puis après ça, c'est que les amis internautes nous yon, avec ça, colonel Abdian et nous-mêmes tout, nous avons fait des réactions en deux dans ça yon sur question de la situation dans le pays. Pour le pouvoir, seul sac bon sécurité, c'est le résultat. CPT a fini de renvoyer Garigoni. C'est qu'il y a un problème CPT à commencer. Oui, affaire blanc, là, n'a pas l'affaire blanc dans la politique en Haïti, surtout si n'a pas parlé d'Américains, il faut prendre un pile de précautions. Moi, je fais que ce dit nous, l'or au pouvoir en Haïti, seul ça qui a bon sécurité, c'est le résultat qu'on a. Président, si tu n'as pas de blanc passé en Haïti, il a été même déplacé 20 000 militaires américains qui viennent réchouquer le pouvoir. Il est monté en 2000 au pouvoir dans une élection stupide. Il devait manger tout. Même malade avec Gary Conil, il devait manger tout. Diarré prend normalement. Le 22 février 2004, secrétaire d'État américain Colin Powell dit qu'il ne peut pas permettre que des bandits qui sortent dans les montagnes viennent jeter un président démocratiquement élu. Le 22. Le 29, même moi, c'est même Américain qui te prend poste parce que tu es une compagnie de sécurité que tu es le président Aristide. C'est eux qui t'as bal sécurité, c'est ça le quoi. Et puis, ils ont marié le coup crabe, ils ont levé, ils ont mis le nom en avant, ils ont mis le juste Bangui en Afrique. Nous connaissons le Bangui, juste en Afrique, bien loin. Il faut faire même 40 à vous l'avion avant d'arriver. Même Américain. Gary Conil vient là, alors il était fou là et tout. Puis l'Américain t'a dit qu'il était fou là. Moi-même, je connais, c'était fou là. Alors, il y a toute qualité américaine. Il y a un petit Américain qui est sergent, qui est caporal, qui est général, il faut qu'on soit Américain. Le président, c'était un général pour elle. Qui non seulement était général, qui était secrétaire d'État américain, qui appuyait le 22 février. Le 29 février, même soldat général pour aller tout ramasser le coup crabe, il y a maintenant le blanc. Donc, affaire blanc, mon qui comprend le gars puis blanc, moi je dis encore, c'est seul bon résultat qui a fait la population, dit Jean Coréo, ou bien le gars qui connaît tombé, qui m'a fait une manifestation pour lui. Bon, qui même font une déclaration, une protestation. Donc, affaire blanc, c'est blague. 30 janvier, pas de représentation dans le CPT. Depuis le 7 octobre, nous rappelons. Ça veut dire, où est le colonel Imlen Khébi? Il montre que, quel que soit, même Jean Oué, qu'on y allait, parce que Capeta estime que qu'on y va avoir un résultat, que tout le monde est capable de voir ça. Parce que Kony entre qu'il n'a vraiment pas parlé. Et à tel point que mon petit PM, ou parler plus, eh bien, on fait plus d'action. Et Kony tout lui-même. T'es plus qu'on a payé de faire photo, tout côté photo, tout côté pour aller photo. Mes amis, quand les Kony te capable de communication, t'es enragé. Même si j'avais Ramon en mille. Mais Game Kitty Kony, attention. Album photo à faire là, évitez parce que eh bien, il n'y a besoin. Et en plus, mm-hmm. Quoi, tout Kony te qui bombe l'an de elle. Et où est Kony? Dans le forum public qu'il te fait 15 coffres là, il t'a pas avoué que finalement, il n'y a pas blindé elle. Parce que l'Abdou, et non ça, on te promet Haïti, et 40%. Haïti, là, m'se moutre bagé blindé elle, vraiment. Et Kounia, même Kapete, en tout lui-même, qui beaucoup te parle. Ok, un de ces CARICOM qui a accouché. Et CARICOM l'a fait travailler les États-Unis. Eh bien, comprenez bien. Même CARICOM ça, qui
a fait travail États-Unis pendant qu'il servait comme intermédiaire là, même lui même tout, mais lui qui c'est États-Unis, mais capable camper là tout et puis demander craser capité. Donc on est qui pensait que ou à l'abri comme chef en pays ça, d'après ça il me l'a rébi fait qu'on est là ou pas à l'abri. Cette histoire gain blanc ou gain gros blanc ou gain petit blanc 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 de man, dans jeune chevet d'air là, tout c'était ténade. Parce que les projets tout vous aller hein, il y a chuté bon pour aller et pas bon menti colo tout baga qui très intéressant là. Aristide c'est là qui était plus gros blanc derrière lui dans dernier série président passé là pendant très dernière année ça oui. Aristide c'est là qui était plus bon blanc derrière elle pendant 30 dernières années ça yo. Mais qui est-ce qui veut Aristide aller? Qu'est-ce qui chute bon d'Aristide? Qu'est-ce qui vient prendre Aristide? Et ben même blanc ça yo. À tel point c'est même blanc oui qui peut qui même bah Aristide femme pour être capable monter ici comme si avec lui. Oui, et même qui bah Aristide femme oui. Et Aristide vraiment c'était étrange que la sécurité mais t'es avec haïtien. Mais les plus vous Alex qui soit ouais. Yo prend yo porter yo va avec. Donc je dis hein. Ils a fait croire que n'a pédé misé mettez espoir c'est blanc qui a fait des bagages pour nous. Nous pas honte que blanc fait craser paysan et c'est lui même la tente tout qui veut venir ranger paysan. Blanc fait craser paysan et c'est lui la tente tout pour venir faire nous ranger pays à qui bo. L'égalité est dans nous. L'égalité pour nous ranger pays vrai. C'est quoi c'est pour prendre conscience que Haïti est pour nous lié, les bagages doit craser, les bagages doit périr et pour nous engager nous dans l'autre Haïti oui. Si c'est pour blanc ça que nous connaissons derrière nous, regardez, Haïti m'a crassé, ça va pour lui, non? Ça va pour lui. Parce que la caille est bon. Ouais, je dis à ça, Biden fait. Biden recevoir Donald Trump dans la Maison Blanche, je l'ai mercredi. N'est-ce pas, il en met, n'est-ce pas, il ensemble? Parce que il a pris mes intérêts États-Unis. Il a pris mes intérêts américains. Il a pris mes intérêts la caille. Mais nous, qui ça nous fait? Au lieu qu'il a pris mes intérêts la caille, écrasé. Au lieu que nous encadrions jeunesse à nos belles âmes, nos belles plaisirs, nous augmenter misère, nous augmenter grand goût, nous augmenter souffrance. Je dis à moi, c'est que il y a trois bons exemples à travers le monde que nous sommes capables de prendre pour que nous rendons tête nous, pour que nous ne parvenions pas à craser les tirs haïtiens là, des Evenes. Blaise, nous connaissons une situation qui est exceptionnelle avec des personnalités qui mettent tête tout à coup des marchandises pour y vendre ça au gain comme conviction à caractère qui permettent que tout le temps qu'on est ces communautés internationales cap changer tout bagaille. Me songer dans bataille pour nous te rendre nous te un peuple indépendant et indépendance pour servir le monde nous pas servir avec blanc au contraire c'était chasser nous t'a chasser blanc à qui sentiment que blanc que t'a chassé yo pour partager des vrais amour avec eux pour montrer que yo ramen. Nous gagnons un paquet d'exemples à travers le monde. Tant que nous sommes allés, dernière élection aux États-Unis, nous sommes à quel niveau que Joe Biden et Donald Trump ont tiré cause contre l'autre. Parce que nous sommes compétiteurs électoraux. Après l'élection finie, ils ont primé les États-Unis d'Amérique. Malheureusement, ensemble, nous avons traité que nous avons là, qui sont des villes serviteurs pour les États-Unis d'Amérique, ils ont tout simplement pris une mission. Non, mais blanc, pour venir jouer, si bandit à sa patte pour exécuter pour yo, pour craser Haïti. Et malheureusement, nos bon peuple qui allait dans le niveau résilience. Soit tant des colonels, il me l'a réduit. Les autres que, collectif 30 janvier, pas un représentant dans KPTA, depuis combien? Depuis qui date? Pas un représentant dans le conseil présidentiel de transition. Mais tout le monde connaît, c'est Edgar Leblanc-Fils. Qui représentait collectif 30 janvier, les personnes. Exact. Est-ce que y a un divorce? Est-ce que c'est parce que gâteau a mal tranché dans le moment que Edgar Leblanc-Fils a dirigé le conseil présidentiel de transition? Moi-même, je pensais que monsieur, dame, organisation, parti politique, parce que ce n'est pas l'élection qui était organisée, qui mettait Mounza là, c'est parti politique, c'est organisation, je veux dire, plus gros criminel, là, c'est les membres. Et des partis politiques, des organisations qui conduisent le pays à l'ensaquelier. Parce que vous êtes capable de faire des passants soirs, vous êtes allé dans le cours de cassation qui t'a pissé, qui t'a permis qu'il y ait un seul président
qui t'a dans palais national qui t'a cherché un premier ministre pour monter gouvernement laisse avoir tout parler en pile qui gen là yo k'ap di ou yo te dwe aller dans accord politique qui te de mettre KNS sous pied qui te de mettre OCAN sous pied qui c'est organe de contrôle qui pouvait sous action nèg yo c'est lui même qui t'a qui gen le plein pouvoir pour ou nèg yo kembe accord politique yo pas publié il y a fait chantage il y a continué ben en corruption il y a continué fait bagaille anti zami et qui est k'ap payer c'est peuple haïtien k'ap payer Blaise li pas jamais trop tard pour ensemble organisation ak parti politique yo montrer que yo conscient pour yo virer bagay ki gen la k'ap sauver pays après ça Blaise transition ça que nous nou là semble nous non c'est mi Ariel Henry et même beaucoup plus parce que yo pral rale des alibi yo pral rale des arguments pour montrer ça pour mettre yo pas arriver faire Blaise fait ça en avance avec colonel Emile Rebi rappeler sénateur Leblanc parce que tout désastre pays a subi là c'est indiscipline ou bien mesdames sénateurs les blancs qui mettaient pays là parce que premièrement gré pas d'accord avec principe mettez neuf moun dans tête pays là mais les rentrer la donne nous fait tout effort pour nous qui gens son bagaille que nous ta cap sauver et c'est ça fait sénateur les blancs tu viens retrouver le président CPTA ce travail collectif là t'est fait pour te cap faire campagne pour te expliquer on pile l'autre parti politique en jeu gain là pour nous qui j'ai nous te cap sauver transition parce que nous te comprendre sénateur Leblanc son monde qui te cap travailler en équipe son monde qui te cap gain sens pays là il te capable prendre des mesures pour nous essayer sauver transition premier acte de trahison qui fait dans CPTA c'est le sénateur Leblanc qui fait, il fait le premier jour, il finit passer comme coordonnateur. Là, sans que le papa aller avec les gens qui ont voté, sans que le papa aller avec l'organisation qui voyait dans le CPTA, là, il chita en dedans avec M. CPTO, il est d'accord pour changer ce qui est écrit dans l'accord 3 avril, là, pour au lieu d'avoir un coordonnateur pour le CPTA, pour toute transition, pour y mettre présidence tournante et ensuite là d'accord pour majorité à son majorité de 5 et majorité qualifiée yo di ba yo alors que c'était une majorité de 4 sur 7 ce depuis jour ça transition commencé déraper et sénateur Leblanc pas jamais parlé aucun dossier avec 30 janvier ni les bras choisi premier ministre jusqu'à présent le beaucoup jamais dit nous pour qui raison de voter Edgar Leblanc ni les monter il va monter gouvernement il pas jamais demandé si collectif la guerre tension ou pas rentrer dans gouvernement jusqu'à ce que gouvernement vienne graser donc nous pas voulez faire bruit nous pas voulez montrer nous c'est mon cap craser bagaille parce que nous avons des désaccords nous quitter le fin faire premier tout mandat que lui-même était d'accord entendre avec l'autre membre CPTA pour le faire nous rappeler le point kounya là dans CPTA collectif là par contre à qui titre parce que c'est pas un autre nom parce que nous rappeler et qu'il y a des mesures qu'a prend parce que nous commence à découvrir que les lettres nous t'envoyer le 7 octobre la sénateur Leblanc qui était caché lettre là il va jamais bailler CPTA donc ce qui voudrait dire que CPTA n'a pas dit qu'on est officiellement que nous relevons, mais il y aura prêt pour aller dans ce sens. Nous pas nous affaire de appuyer le gouvernement ou pas, nous ne connaissons pas ce qui a passé. Le gouvernement tombé, le premier ministre a mis, et pas aucune structure qui j'en parle avec nous. Pour qui ça? Nous supposer. Alors là, nous supposer. Parce que le sénateur Leblanc Alchita en Chatpin dans CPTA, il n'a pas même cap dit négo. Au nom de qui ça? Et c'est une raison qui fait pas qu'à signer. Acte CPTA prend. Donc, qu'on y a nous-mêmes, tout simplement, à éclaircir ça. De façon pour la population qu'on est, collectif 30 janvier, pas impliqué dans un lien qui s'est passé pendant 6 mois, ça a été passé avec Dr. Conillo. Et nous pas impliqué dans aucun bagaille qui a fait là, qu'on y a. Monsieur Mbaki, je vous pose une question. Pas permettre émettre aucune opinion sur ça. Et M. Alex Fizeme, qui nommé installé comme Premier ministre, dit, parce que je n'ai aucun élément pour analyser parole. Ce n'est pas au monde que je connais.
c'est pas mon j'aime rencontrer Chita Balavel. Donc m'pa cap connait l'aile d'un bagaille sous qui base li dit ça le dit. Maintenant en ce qui concerne les institutions de sécurité de l'État, m'a dit tout le monde, yo pas mettre en place, c'est pas au hasard. C'est quand qu'on a fait sécurité il y a qui pas réglé, c'est pas au hasard. C'est propre monde qui peut prendre mesure qui gagne des raisons politiques personnelles. Yo croit yo cap utiliser zam monsieur qui a pris les bandits yo, pour yo négocier pour yo cap vinn tourner au pouvoir depuis Soariel. Crime qu'a fait contre population, hein? C'est pas de crime qu'a fait au hasard. Peut-être que monsieur qui a fait crime yo même yo pas même conscient de sa affaire. Mais il dit peut-être parce qu'on n'est pas capable marcher ou touyer moun ki bon koto ou met du feu dans caillou ou pas fou ou gon raison. Donc moi-même moi pas contre vraie raison, hein? Mais ça me connaît, me connaît son projet politique. C'est ça que fait depuis Soariel. Yo pas jamais fait appel à aucun monde qui capable traiter question pour traiter question. Yo fait appel à américain pour chercher solution. Depuis yo choisi solution yo, nous dit que ça pas cap solution, li pas solution, li pas jamais solution. Mais c'est lui même nous voit que monde cap diriger au courri et accepter. Un dernier exemple. Blinken vient ici et raconte en Tintin, il va transformer la mission multinationale qui est là en une force onusienne. Bon, c'est ça, il a dépassé 3 ans, il n'y a pas de cap fait par rapport au Conseil de sécurité. Donc, il y a une opération du Saint-Esprit faite pour être capable de faire le Kounia. Mais il passe ici et raconte en Tintin une semaine avant, Edgar Leblanc a raconté Ranslan et les Nations Unies. 2 jours après, elle finit de raconter Tintin. Ils n'ont pas même présenté de maintenant. Américains n'ont pas même présenté de maintenant. Parce qu'ils connaissent la Chine et la Russie. Ils n'ont pas accepté. Ce n'est pas fou, ils fou. Ils connaissent ça fait. Haïti sont des gens qui ont un poison. Et puis c'est quand les gens qui ont un poison, c'est lui-même qui a demandé des remèdes. Nous, c'est un monde qui a un louga ou qui a mangé petit. Nous. Et puis, ils prennent pile de gens qui mettent sous pouvoir ici. Qui prend main nous, qui mène nous, qui est l'ouga ou à vous n'avez jamais remède. Mais en tant que spécialiste dans le domaine de sécurité, c'est une institution qui est indispensable. C'est quand vous, par exemple, vous attendez, ou pas capable résoudre problème équilibre au pays sans qu'on parle une série d'institutions. Par exemple, les institutions policières, les institutions de l'intelligence, les institutions du renseignement, c'est deux bagailles différentes. Le n'a pas l'intelligence, le n'a pas les renseignements. Et j'ai l'impression que des fois, quand il y a des gens qui sont chefs qui ont parlé, ils ont mélangé les barrières par contre, ça vous l'a dit. C'est quand ils ne connaissent pas qui ça a une information, qui ça a un renseignement. Parce que information par renseignement, renseignement par information. Un renseignement, c'est une information qui est traitée, qui est vérifiée, qu'on est capable d'utiliser. Intelligence, c'est un mari moderne, une autre catégorie nette. Donc, je ne sais pas très bien connaît, si mon Dieu a parlé, au compte de qui ça a parlé, au compte de qui ça a dit. Donc, moi-même, je suppose que, de toute façon, CPT a fini de renvoyer Gary Rony, c'est qu'il y a un problème, CPT a commencé. Parce que aménagement, c'est problème qui fait commencer. Parce que qu'il y a un CPT a choisi premier ministre. Sûrement, pour choisir le gouvernement, le premier problème pour le résoudre, c'est la sécurité pour le résoudre. Maintenant, par contre, s'ils comprennent, ils ne peuvent pas faire bluff. Non, bah, qui est là. Parce que, en réalité, M. Bandi, il vient de rendre compte. Côté monde qui te prend main, il mène. Quand il y a besoin de route pour sortir, et formule pour sortir, parce qu'il a entravé tout, il ne faut pas comprendre qu'il est à l'aise. Ils ont entravé tout, ils ont cherché pour sortir, qu'on y a qui formule qu'ils peuvent utiliser pour arriver à faire. Qui quantité de monde qui a mouru encore, qui quantité de monde qui a perdu caillou. Donc, monsieur le chef, il a un pouvoir dans le pas oublier, CPT a monté avec, il a une preuve de force, mais il a un gros vagin dans le dos. Il a un gros java dans le dos. Est-ce que la pensée, qui ça le faire, je ne sais pas. De toute façon, la population fait pour le connaître. Lui face à des difficultés qui gagnent pour venir. Parce que si monsieur n'a pas pris mesure pour mettre l'institution sous place, pour chercher le résultat, vous comprenez, vous avez bluffé la donne, elle est difficile. Oui, le problème n'est pas posé.
toutes les gars qu'on y a pas dans pile là, c'est fanfaronnade. Où est au pouvoir? Seul sac bon sécurité, c'est résultat. Seul résultat ou bail qui capable bon sécurité au pouvoir. Même CPT a ou est qu'il a. S'il pas prend des mesures pour bail résultat, ou roumate ou apte dans l'eau, ben pété blou, l'écrasé, quand on tasse qui sont tombés dans mon. Et puis c'est laisse à tout le monde après. Enfin, ça me tape dit depuis le 11 mars là, c'est à la Cour de cassation pour y aller prendre un monde, parce qu'on va pas mettre 10 personnes à diriger un pays, pour mettre un gouvernement sous place, pour faire négociation qui est indispensable, tant au niveau local qu'au niveau international, pour nous sortir dans ce pays, dans ce lien. Parce que le moment où nous sommes là, c'est un moment favorable. Parce que je me dis, après l'élection, tout le monde, démocrate, tu as fait l'élection, l'élection, tu as tant de fin fait. Quand tu as perdu, tu n'as pas personne qui a regardé ni en haut ni en bas. Et puis chaque monde qui est en Haïti comprend, il a dirigé, c'est blanc qui est derrière, c'est un piège blanc qui est. Garigoni fait que ça tombe là. Même monsieur qui l'a eu, il y a un blanc par tout. Si vous comprenez, c'est sous blanc, il n'y a pas appuyé. Je ne vais pas 3 mois, ça veut dire que je ne vais pas pour nous arriver dans le mois janvier pour ne pas attendre CPT écrasé. Je n'ai pas besoin de craser CPT, non. Là, nous avons vu ce qui s'est fait pour nous sortir dans des autres. Mais, il faut CPT à connaître un gros java dans le dos. Il faut chercher bon. Et remède habitué voyé sur Maligno pour voir s'il t'a traité, s'il t'a capable de bisou. Je tiens en tant que premier ministre, Gary. Il a vint faire Gary Rigoni, où est-ce que blague l'a baillé. Gary Rigoni était sous fake, il était sous foulaille, l'on foulaille, 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 ou des foulalaille. Donc, on ne va pas parler de Gary Rigoni encore, qu'il repose en paix. Non, qui se repose chez lui avec sa femme et ses enfants pour le calculer parce que ça fait 2 fois. Il vient passer tête inattentée en public, nous avons fait pouvoir en Haïti. Je suppose vous poser des questions quand même, c'est ça tue toi pour ça comme ça tue toi. Mais tout le monde qui suit l'émission qu'on connaît, c'est blague ou bail. Nous ne connaissons pas aucun moyen pour l'élection faite pour 7 février. Dans les bonnes conditions, si CPT a fait ça, il a fait pour le faire depuis jeudi matin, mardi 12 là, il a peut-être fait l'élection en fin année 2025. Oh, c'est vous et vous oh. Non, consultation pas faite. Consultation pas faite comme ça encore. Qu'on y a des sous ça parce que bagaille qui pour faire dans casa yo, nous pas capable parler de en public comme ça. Est-ce que ça veut dire mais on va parler en public mais non ou même est-ce que moi entendre des questions non? Moi comprendre ni. Moi du question posée à gravité question hein? Et mesure qui fait pour prendre par rapport à une action comme ça, malheureusement, je ne peux pas parler de ça en public. Colonel, non, ça se dit que vous pouvez jamais parler avec. Kounia désir, et par contre, ça va comprendre ce que vous dites avec le colonel là. Mon cher, colonel, il m'a rébut par rapport avec l'expérience qu'il gagne. Bon, n'est-ce pas, c'est la bêtise déjà, il faut que le colonel là, clé, tout ça. Et il y a un colonel là, go espoir et blesse personne. Il a le ministre de la Défense. Yeah. Et il travaille pour Negyo. Il permet de faire une stratégie pour Negyo qui vient installer. Il permet de créer un plan de diversion. Là, tout le monde a prétendu Negyo dans le palais national. Il y a un coup de force, font paraître le palais national et puis il y a le village d'accueil. C'était pour M. Kelte. Malheureusement, qu'il n'a pas réussi. Jean, ancien colonel, il m'a rebut à PC donc avancé là. Il montre qu'il n'y a pas de garantie pour réussir la transition. Et question élection qui n'a pas l'air, c'est loin de là son groupe nègre qui a camouflé, qui était sous foulaille, n'a montré qu'il a foncé des bagailles, qu'il n'a pas de pouvoir pour le faire. Et l'autre bagaille qui est extrêmement important, que le colonel Himmler a avancé, c'est l'elle dit, nous comporter nous avons son famille qui a un loup-garou dans le temps, et le loup-garou dans la famille, il est mal pour identifier, mais heureusement pour Haïti, le loup-garou dans la famille, ça, il est bel et bien identifié par ses actions. Exact. Les États-Unis d'Amérique. Et qui côté nous rassurer consultation, non mais les États-Unis d'Amérique qui pour ban nous et qui pour venir aider nous pour nous changer situation pendant qu'on est c'est eux-mêmes qui derrière tout ça qui a passé dans le pays là, l'État mérité que nous vraiment déclencher une révolte pour montrer bon côté ensemble autorité américaine que ça a fait pays d'Haïti, il est pas normal.
Yo prend temps, yo prend ça, yo prend 3 ans pour faire étude qui cap permettre que yo atterri avec une mission multinationale jusqu'à présent qui était comme une décision éphémère qui pas porter trop résultats qui cap changer donné en Haïti la situation. Et désir, on les font faire nous aider à acteur yo, on regarde si on va faire nous venir avec bon, c'est des monde qui parlent en pile dans société mais c'est vrai et parfois que des dossiers leur parler des lits, société a critiqué yo, mais il faut aller parler des dossiers tout société a applaudi ou tout. Voilà, en plus, on a essayé de comprendre la parole du colonel Humelin Rébuyo. Parce que ça, yo, vraiment, Jacques Colodilan, au cas de ces dans 2, 3, 4 mois, attendez, cap était écrasé. Et si on pense que blanc est derrière, bon, blanc ou pas, et blanc, les mêmes pas mes amis, nous. Et blanc, c'est la fin de travail dans l'intérêt, mais pas mes amis, nous, vrai. Mais on a tant coupé espérance les mêmes tout bien que grand pile critique sur de par rapport avec les bagages la pancage dans pays hein? Mais ça va empêcher que gien monde qui parfois aller la parler gien monde qui essayer comprendre étant de ça la dio peut-être qui capable d'intérêt pays hein? Et bon on a intérêt acteur qui eux même dans dossier la parler dans ça bah c'est que la ferme nous font entendre et puis espérance même j'ai nous faire avec et il me rébuyant n'a permettre que côté mérite faire réaction à faire réaction sur population hein? C'est bon bataille qu'a fait pour combattre et insécurité, c'est pas une bataille qu'a faite pour renforcer l'institution, c'est pas une bataille qu'a mené tout, et c'est pas un conflit et pour respecter l'accord 3 avril 2024, là, qui chita sous la gouvernance et état des droits, réduction contre lutte contre impunité, contre corruption. C'est une bataille et pour pouvoir. Et c'est une bataille et pour continuer à mettre la population dans sa lieu-là. C'est une bataille pour continuer à renforcer et impunité avec corruption dans le pays. Et malheureusement, j'en ai dit, bataille ça, ça a fait là, et tension ça, conflit ça, et il y a un gros impact sur la vie et population sous institution et particulièrement sous question sécurité et sous et la police. J'ai dit et dans semaine ça, j'ai dit et après-midi, j'ai dit qu'il était 7 novembre 2024 là, scandale qui passait dans New York. Et puis tout attaque et de et bon avant New York là et nous songer avant même et dossier BNC a te prend la rue là nous en mois juillet te gon rencontre que premier ministre t'allé la caille et sénateur Jules et là ça et m'a dit sénateur Jules j'ai conseiller présidentiel hier oui et il était allé la caille Jules et te gagné 3 autres conseillers qui étaient là avec représentant et c'est te gagné 2 autres conseillers qui étaient là c'était 3 plus représentant secteur et secteur qui était voyé 3 conseillers ça et ben réunion t'est fini très mal. Et par la suite de CBN, c'était venu prendre la rue, et venu gagner une question à New York, et puis gagner toutes tensions qui gagnent entre la présidence avec et la primature et ministre des Affaires étrangères sur question diplomatique. Vous reconnaître la diplomatie niveau élevé de la présidence, et vous êtes capable d'entendre pour résoudre ça. Et puis, gagner tout et on série des journalistes et des machins de micro et qui proche la primature et qui proche chef cabinet et premier ministre hein, et qui et a attaqué et CPTA et nous songe et Yojo qui joue s'il vous plaît c'était et mardi qui était et lundi qui était 20 et octobre et un journaliste qui proche la primature et fait un tweet côté que il dit mon plan d'assassinat et un plan pour assassiner le premier ministre et puis le lendemain le 21 octobre gagnent et ministre ça qui font notre sortie qui parlait des plans pour assassiner le premier ministre
Et là, pour moi-même, depuis là, ça, faut que tu vois mini-justice là, aller. Pour qui ça? Mini-justice là, c'est le premier chef poursuite qu'il y a. C'est le premier chef et commissaire gouvernement. Yo. Et la police là, elle est relevée des ministères de la justice. Et si, et mini-justice là, tout, c'est le premier conseiller, premier ministre dans la question justice. Et qui donc, et s'il t'a gagné n'importe information, et on prend, laisse ça, la, et informer le commissaire gouvernement, informer DGPNH pour DGPNH a passé la police judiciaire de CPJ instruction pour mener enquête et pour, et par commissaire gouvernement, et dans la juridiction, et dans la déjuridiction qui vient dans l'Ouest là, et dans la zone métropolitaine, nous voulons parler Port-au-Prince et Croix-des-Bouquets pour être mis en action publique en mouvement. Et c'était grave, ça n'a pas besoin d'arriver là. Et s'il vous plaît, qui est sur TOE? Et le journaliste a été cité Fujian et il a été cité tout Yuri Chéry parce que Yuri Chéry a une relation, ils sont proches Fujian. Donc, et c'est tout bagage ça, ouais, sans compter tout. Et réunion entre Premier ministre et Mme CPT, et qui toujours finit en quête de poisson, et n'a pas rappelé, et ou bien Leslie Voltaire qui monte président CPT depuis le 7 octobre, il n'y a pas jamais fait un conseil des ministres, pas jamais une décision qui fait, et qui donc. Et tout le bagage est bloqué. Et tout d'abord, on vient joindre une solidarité dans les mal et entre et conseiller présidentiel qui n'est pas impliqué dans le scandale, avec ça qui est impliqué dans le scandale. Yo, et il fait un sel. Et qu'on est là, et premier ministre lui-même, avec conseiller qui pas impliqué dans le scandale, au lieu pour te jouer nos formules, pour te avancer sans toi, monsieur Sayo, c'est goumé avec l'autre et situation à vivre côté l'IA. Mm-hmm. Malheureusement, chef cabinet premier ministre, ministre justice, et pas aidé premier ministre, et premier ministre lui-même tout, parce qu'il y a un peu de monde qui te parle avec lui, et il n'y a pas arrivé à avancer dans la question harmonisation, et c'est ça qui bat où. Et ça le bat ou là. Mm-hmm. Et moi, je dis, c'est solidarité dans les mal. Et moi, je ne peux pas jamais souhaiter, et je ne peux pas dire bon pour payer à tout, pour toi conseiller ça, yo, qui sale image la présidence, qui impliqué dans le scandale ça pour continuer à engager et payer. Et son bagage qui est grave. Et moi, toujours interpellé, Fujian, Leslie Voltaire. Et il faut que je vienne au formule, mais malheureusement, pas dans une fête, mais il faut que nous reconnaissions tout. Et c'est ça, c'est un principe en droit administratif, il est simple, il n'est pas compliqué. Le monde qui a le pouvoir de nomination, c'est le même qui a le pouvoir de révocation. Le pouvoir de nomination, c'est le même qui a le pouvoir de révocation. Et qui donc, si il n'y a pas qu'à joindre. On entend. Moi, tu as souhaité qu'il y ait une entente là, entre la présidence et le premier ministre. Et pour le premier ministre, tu as accepté reconnaître que, avec un corrompu qui est observateur et conseiller dans le conseil là, et qui marchait prend, et qui marchait fait deal avec plusieurs secteurs pour mettre CPT, conseil là, campé, un mauvais conseil électoral. Yo mette campé yon commission, si m'pas trompé moi national, pour question réforme constitutionnelle avec dialogue, eh ben, n'y pas bon. Yo mette campé, tout c'est CPTA, oui. CPTA mette campé yon commission nationale, justice et vérité et réparation. Yo mette 43% et moun qui n'a, et commission ça, c'est PHTK. Et numéro 2 PHTK. Et la commission, on va parler de commission nationale de réconciliation. Non, on a parlé de commission nationale de vérité et réparation. Et qui donc, justice, vérité et réparation?
qui donc pas gagne aucune action qui conseil là est posé depuis li monter là qui au fait bien et pas gagne rien tout gouvernement fait pour améliorer condition population. Il y a des petits moyens qui sortent dans l'état dans et rentrer l'école là. Gende, moi-même, je connais, j'ai des cailles, j'ai une enquête qui nous mène, j'ai une dizaine de cailles, nous connais, j'ai des familles qui sont là-dedans, qui pas même des petits monde qui sont à l'école, mais tout le monde vient, si j'ai 19 familles, j'ai 20 000 gouttes. Donc, qui donc, et pas rien qui fait dans la transparence là. Qu'on est là, et sinon, ils veulent faire plaidoyer et pour respecter les accords 3 avril là, faut que nous gommons pour trois corrompus à et trois doit être long supérieurs à qui salent image la présidence pour mettre corps de côté. Mais en même temps, tout m'a dit, c'est pas sur un monde et pour y a parlé des questions respecter et à quoi, alors que et ça qui a passé dans la diplomatie à et où qu'on est diplomatie à relever de la présidence et mon cap dit ça était doué conseiller premier ministre et pour que tu une harmonisation entre et CPTA et avec et premier ministre et particulièrement le ministre affaires étrangères a fait changement et a déplacé et Fok et discuté avec CPTA. Donc et nous pas capable je dis après indiquer yon bagay nan akòr alors que c'est akòr même yon pas mis en application. Cependant nous reconnaît nan et décret qui publié le 12 avril 2024 qui mettait CPT à côté lié avec tout gouvernement. Si je ne trouve pas un article, dans le décret, il dit tout le monde qui fait l'objet de scandales, qui a des poursuites judiciaires ou bien et qui est condamné, il n'a pas de fait partie du gouvernement ni CPTA. Qui donc, et l'autre quatre membres CPT qui a fait solidarité dans les mal avec trois corrompus, ça, tu es doué de marquer au dehors. Malheureusement, pas fait lui, mais après dit, encore. Moun qui a pouvoir nomination, c'est même qui a pouvoir révocation. Si nous voulons faire un plaidoyer, nous avons fait un plaidoyer pour respecter l'accord, pour transition à capable ici, parce que nous, les gens qui ont été venus, ils connaissent qui est le capitaine, ils connaissent qui est le grand défi du capitaine, et malheureusement, ils sont venus, ils ont gommé pour pouvoir, mais ils n'ont pas fait rien pour améliorer les conditions. Population. Je dis là. Bon, désir, bon, c'est que Pierre Espérance, c'est clair quand même par rapport avec ça le disant. Mais, Kounia là, qui pral avenir Kapetéan avec M. Nostens de la Commission? Est-ce que tout capital par l'entrée non logique, tant à temps révoqué, nommé, tant à temps révoqué, nommé? Parce que Mounsa, les mandés de Tebagat Tebagali, pas balil, ou dis-moi, si Mounsa fait Tebagat Tebagali, pas balil. Est-ce que nous prenons et combien de temps monsieur Gédé Vangéo devant là tout pour y a pédé révoqué nommé pendant ces temps il faut qu'on ait que en 2025 il va faire élection et pour que 7 février 2026 pour passer là-bas en président mon président élu je dis en baron sur ça en pile secteur en pile acteur il tout exprimé doute yo dans question organisation élection dans pays tout exprimé doute yo peut-être baron est gain qui garder question temps. Mais gien qui garde crédibilité Kapetéan et garde toute crédibilité conseil électoral provisoire qui n'a remetté campé des événements pour capable finir. Bon, je pense que même Pierre Espérance, en pile monde te dit que qui te jouer coûte pour te permettre que secteur doit mon pas représenté dans conseil électoral provisoire. Li montre que c'est conseil présidentiel transition qui arrange yo et mais bien que et conseil la mal fagoté, yo mettait le campé quand même, mais yo continuer à marcher chercher l'argent. Et tout partout dans faire corruption, il y a qu'un pays quand même, et ça n'a pas de pièce résultat qu'il a fait. Ok? Il n'y a pas de résultat qu'il a fait. Dans ça qui a fait là. Et monsieur, pas pour résultat, tout le monde. Il y a plus quoi dans le pays, dans l'intérêt de la communauté internationale là, parce que la communauté internationale là, vient plaisir dans ça. C'est ça qui appelle pas nous. Il y a toujours direct envers la population, pour arranger, pour faire révolte, pour soutenir ça qui est trouvé en espèce.
Merci à pile de si venez ça, merci avec chaque grand ami internaute qui a même cap gardé puis tant d'émission ça. N'a seulement dit yo, continuez like, partagez, quittez commentaire, abonnez si beaucoup abonnez. Merci les amis, mon frère. Merci Blaise, merci tout le monde. On est fidèle avec Messac Nouvelle, pas oublier que Staff Larémon en paix. Bonsoir à toute la famille, amis internautes qui connectent Messac Nouvelle dans le moment. Plaisir qui est content pour nous capables de porter nous et transchouvelle ça sur Messac Nouvelle. Je nous toujours dis, c'est pour la grâce avec confrères et consoeurs dans la Voix d'Amérique, qui même qui pourra détailler le nous en détail. Pendant qu'il a demandé avec chaque grand ami qui pourra regarder et puis tendre transchouvelle ça pour capable like, les partager, le quitter en commentaire. Et si nous à peine tombé sur média ça, abonnez avec les pour nous grandir communauté nous. Et pendant qu'il a demandé nous pour nous capable activer cloche notification pour ne pas jamais rater un lien dans information nous. On a commencé pour nous dire que mais d'abord à l'international nous capable dire que mais gagne rencontre qui fait belle chute à parler, rencontre historique selon ça qui dit bah plusieurs médias aux États-Unis entre président sortant Joe Biden et puis président élu qui pral prêter serment 20 janvier 2025 à venir là qui c'est et Donald Trump monsieur qui rencontré mercredi 13 novembre 2024 dans Maison Blanche côté que il a discuté d'abord sous passation qui pourrait le faire côté que Joe Biden pourrait être pour capable remettre pouvoir by Donald Trump le 20 janvier 2025 à venir là mais Joe Biden qui promet pour capable faire une transition sans problème sans difficulté avec nouveau président alors président élu qui c'est et Donald Trump. Et Donald Trump qui lui-même vraiment félicite et remercie et Joe Biden qui lui-même pral préparer là pral prendre des dispositions pour le capable faire ça il y a une transition il y a passe à son pouvoir sans problème et sans et difficulté les amis internautes nous là quand on a été connu en nous garder ça comme information puisque c'est vraiment important pour nous garder ça et ben gagner là conseil permanent OEA organisation état américain yo et ben qui mandé pour transformer mission multinationale sous sécurité à Haïtien en une mission maintien la paix pour nous dire bien une mission Nations Unies et bien résolution ça qui est adopté jeudi mercredi 13 novembre 2024 là et bien côté qui demande ça fait par et bien ensemble pays qui c'est membre conseil permanent OEA et bien qu'il y a l'irrité tout avec autorité haïtienne qui pourra continuer faire demande auprès de Nations Unies pour transformer mission multinationale en une mission et la paix mission de maintien la paix en Haïti. Mais bien qu'on connaît en plein monde toujours dit des mauvais souvenirs avec ministère de pays mais en plein monde trouvé toujours dit dans sa pays là mais une mission maintien la paix en Haïti a capable aider dans bataille contre bandi armé parce que je dis à nous depuis en 10 mois juin que bandi alors mission lui même avec premier tranche monsieur Kenyon qui vient en Haïti jusqu'à présent pourquoi vraiment que ça n'est pas effectif normalement et des problèmes matériels tout qui vous êtes capable de venir pour aider dans les batailles quoi qu'ils soient gang armés pour aider dans aider résoudre la situation insécurité que Haïti a connu là mais gagné ancien ministre des Affaires étrangères d'Haïti n'a parlé de Edmond Bouchit lui-même qui est félicité décision conseil permanent OEA prend mais côté que il a approuvé à l'unanimité résolution qui appuie transformation mission multinationale soutien sécurité à Haïti en force de paix Nations Unies capable d'adopter une réponse plus stricte et structurée avec Sandrélé besoin sécurité peuple haïtien par rapport avec la question gang armé qui ont même décidé prend pays en otage dans question insécurité on capable dire là eh bien bandi armé vivent ensemble continue à faire sans couler dans la population haïtienne non eh bien dans journée qui était mardi 12 novembre 2024 là eh bien bandi exam qui fait partie coalition vivent ensemble mais touyer jeune urologue haïtienne Deborah Joseph eh bien dans zone Ruikamo devant clinique li zone ça et n'apprendre que papa qui était accompagné qui était avec dans bloc dans tout papa qui allait recevoir balle qui donc mais malheureusement pour jeune urologue haïtienne Deborah Joseph il prend balle mais là elle mouri l'hôpital malheureusement qu'elle pas gagné chance pour être capable de la vie sauve et y ont situation qui en pile monde en pile voix levée pour capable critiquer et puis condamner mais ça qui a passé en dedans pays n'a dit question insécurité la cause que dans soirée qui était mardi après-midi et soir m'a dit
et 12 novembre 2024 là, mais bandits qui a dirigé zone Ténoir, il a été fait demande avec renfort bon côté équipe Jeff Canara, mais côté que monsieur lancé une véritable opération, mais identifié kay policier qui était dans zone et sat aral nan Nerette et yo a marché boulé et kay policier sa yo et même rivé agressé attaquer famille et policier sa yo et c'est ça qui commence à faire là dans zone Nerette aral dans zone sat dans la commune Cité Soleil et ça qui crée gros voix panique la caille citoyen qui eux même cap vivent dans zone Sayo. Dans question sécurité hein, les CMD donc gagnent mais plus que 3000 écoles qui obligées fermer portio en département l'Ouest et la Tibonite à cause action gang arméo dans Port-au-Prince une prend cité capable citer lycée Alexandre Pétion, nous capable citer lycée et Cafoufeuille, lycée Toussaint et gien l'école encore qui eux même l'école nationale et lycée mettez tout avec l'école privée qui eux même je dis là qui censé c'est de l'école qui ferme porte à cause question action gang arméo qui eux même et a bay problème dans pays d'Haïti et surtout dans région métropolitaine et Port-au-Prince là. Et mais comment c'est gien pile parler en pile là oui en pile parler en pile entre Andy équipe Alix DJ Fizé mais comme nouveau premier ministre mettez avec Andy conseil président yo côté que la bataille qui commence à faire là pour qu'on ait qui est ce monde qui va venir ministre dans gouvernement ça est-ce que gen ministre qui était dans gouvernement Gay Koni là qui va reconduire qui donc qui va kembe ou dis-moi est-ce que gen ministre et va gen de nouveau ministre ou bien est-ce que son cabinet y a refait net zami internet nou yo bien que gen en pile non cap cité là donc ou gen l'idée pour ta Québec Len Floristal comme et ministre planification coopération externe ministère économique finance capable gen l'autre monde et qui capable venir la donne et entre capable gen soit Daniel Dorsainville ou bien Alfred Metellus, Bernard Saint-Ville qui lui-même c'est actuel doit être tribunal premier instance porte de Prince là, les capable venir ministre justice et sécurité publique, Patrick Adelatour, les capable venir ministre qu'il sa communication et Paul Antoine Bien-Aimé, c'est donc c'est de pressenti, alors de monde qui capable venir ministre intérieur tant qu'on Antoine Bien-Aimé et gain docteur Gabriel Timothée qui lui-même capable venir tout ministre et ministre santé publique à la population qui donc en pile nos capacités là mais jusqu'à présent c'est dans gros bataille qui vient là par rapport avec ensemble secteur ensemble voix ensemble membre dans conseil présidentiel transition pour qu'on ait qui est cap qui est cap mettre qui est et c'est là véritable bataille là les mêmes lichita zami internet nous yo dans conférence pour la presse pendant week-end passé là pour parole à Kaye pour la paix pasteur Samuel Whistler et Paul dressé un tableau noir coulant que sous situation et commune à Kaye sorti mois octobre 2022 pour et novembre 2024 après plusieurs attaques nek exam nan coalition vive ensemble nan responsable organisation sa mandé autorité l'état yo pour mettre pied yo à terre nan commune ça et puis profiter mandé de gros chabra qui nan tête pouvoir exécutif là pour renforcer sécurité nan cité drapeau an et adéquat pour population lui-même a capable raler un souffle nan cité drapeau qui c'est Arcaye gen ancien sénateur la Tibonite Jean-Willy Baptiste qui même dit que gros chargé face aux gangs après contrôle et la Tibonite et pas la population elle-même a mouri grand goût ancien directeur général ODVA ouais un gros complot importateur diri des brigandage ça yo et selon ça qui dit bon côté ancien sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste mouvement point final croit yo pa ka kite gay koni kou kite payan pendant ancien chef gouvernement pa bay rapport sur l'argent li tap géré pendant passage li côté il tap géré plusieurs budget Ulysse Jean Chouinet rappelé tout l'argent sous état digeste et latrier dirige politique li même croit révocation pacifie et pas alors révocation pacifique faut gien l'autre qui rend pacifie disons bien faut gien l'autre action qui poser contre Gary Koni a gagné ancien député et Petroville directeur Dieu qui lui-même souhaité et nouveau PM Alix Adjidj Fizeme créer conditions pour bay pays à stabilité et puis résoudre la situation sécurité qui gagne en da paysan d'après un parlementaire pour gagner élection en da paysan faut que sécurité blayi population haïtienne lui-même capable vraiment râler en souffle aller dans activité selon et ancien député Alix député directeur Dieu pour parole à quoi 21 décembre non
Maître André Michel dénoncé KPT a qui évoqué et nommé un nouveau premier ministre qui pas cadré à accord 3 avril l'an. Homme de loi fait qu'on est situation ça capable retirer crédibilité et puis craser transition ça. Dans sens ça Maître André Michel souhaité que correction qui fait pour pas quitter situation lui-même reproduit selon Maître André Michel. Organisation sociopolitique nous conscient encourager nouveau premier ministre Alexis Diefizemé et mais pour travailler dans l'idée mais pour capable résoudre de problème insécurité hein, ak inflation qui a brassé le pays d'Haïti responsable nous conscient Ibens Kader profiter critiquer présence Mathias Pierre bon côté nouveau chef gouvernement et d'après militant politique la présence ça voyons signal négatif pour peuple haïtien hein, dans ça li souhaité c'est pas même situation corruption qui va continuer selon Ibens et Kader alliance ça pour une société sans exclusion les mêmes exprimer inquiétude par rapport à la façon KPT a lui-même et limogé PM Gaïkouni dans tête primatien d'après porte-parole ASEAN Leslie Alexandre les quoi situation ça la cause équipe qui se pouvoir par river remplir mission côté le mandat côté mandat a fini en février 2025 26 on dit bien dans ça homme politique dans lui-même encourager tout acte dans la vie nationale pour mettre mais ensemble pour résoudre crise politique qui passe suspendre brasser bill pep haïtien voilà monsieur dans point ça à divers l'autre pral fait essentiel notre nouvelle ça je nous dis sur mes sacs nouvelles grâce avec confrère et puis concernio dans la voix d'Amérique déjà bonne écoute tout le monde nouveau premier ministre là Alex Didier Fizemé et puis dans région Moyen-Orient l'armée Israël attaqué et touyé moun yon l'autre fois encore dans Gaza et dans Liban dans moment bilan moun qui mouri dans Gaza dépassé 43 000 d'après une source palestinienne. Bonsoir une autre fois encore, rencontre historique aujourd'hui dans la Maison Blanche entre président démocrate Joe Biden et président élu républicain Donald Trump. Jean-Robert, c'était occasion pour président Biden de renouveler promesse encore pour une passation de pouvoir pacifique 20 janvier. J'en dis assez vraiment un moment historique. Le président qui a perdu une élection, ça fait 4 ans, il est retourné, il est remplacé président qui était battu. Et c'est histoire rencontre entre Joe Biden, qui est président démocrate sortant, avec président élu républicain Donald Trump. Politics is tough. Président élu américain Donald Trump visite Washington pour la première fois depuis qu'il a remporté l'élection mardi 5 novembre. Non, face à candidat parti démocrate là, vice-président Kamala Harris. Président élu a visité la Maison Blanche jeudi mercredi et puis rencontré président démocrate Joe Biden dans bio Oval. Président sortant Joe Biden qui était par président élu a un point la main déclaré président élu. Ancien président Donald compliment et nous espérer gagner tant que nous te dit une transition bien douce. Nous avons fait tout ça nous capables pour faire joindre sans besoin et nous prenons gagner une chance pour nous parler une petite crasse sous ça. Je dis à bon retour. Thank you very much and politics is tough. Président Elia Donald Trump a espéré une transition sans problème. Pendant lui remercier président Biden pour invitation. Merci en pile. Politique pas facile. Dans un pile cas, nous ne pouvons pas vivre dans un monde qui est gentil. Je dis à monde dans gentil. Et moi, j'apprécie ça en pile. Une transition qui a fait tellement douce, j'en ouvre à moi, j'apprécie ça en pile, Joe. Première dame Jill Biden était ensemble avec Marie pour saluer le président Elia à l'aile arrivé dans la Maison Blanche. D'après la Maison Blanche, première dame Nan te remettre Trump, une lettre écrite à la main pour vous dire Madame Lee, Melania, compliment pendant lui montrer équipe LIA paré pour transition. Rencontre ça a déroulé dans moment président élu républicain a agi vite pour mettre sous pied nouveau membre administration LIA. C'est une invitation Trump lui-même pas de faire pour Biden après il était perdu l'élection présidentielle 2021 en face président Biden. Ladies and gentlemen, please stand to your feet. The 47th president of the United States, Donald J. Trump. Juste avant rencontre Maison Blanche, le président Elia a été rencontré parlementaire républicain dans le Congrès qui a prêté serment le 3 janvier 2025. Dans le discours qu'il a prononcé devant Mampatia, le président Elia a déclaré qu'il est bon pour remporter victoire.
Lizi nous travaille pour nous des chambres députés à remporter en pile siège que nous étions capables de perdre. Mais grâce à l'effort, nous n'avons pas manqué en pile pour nous remporter une majorité. Ce qui est important, c'est victoire. Nous aidons moins tout remporter le collège électoral là. C'est plus que victoire nous remporter depuis 129 ans. Nous remportons la victoire dans cet état créé à remplir le point dans l'état Michigan. Dans la prochaine élection, nous espérons remettre une plus belle performance dans l'état de New Jersey, New York et même Californie. Le président Elia Donald Trump a prêté serment 20 janvier 2025 devant le Congrès. Effectivement, Jacqueline, j'entendais, donc le président Elia Donald Trump, il continue à poser pion, il continue à rassembler même cabinet ministériel là que de temps en temps il a annoncé un nouveau candidat qui très certainement pral besoin approbation bien encore pour que Sénat lui-même il doit approuver même cabinet très certainement bif avant même et date 20 janvier qui c'est date que président il y a prêté serment. Pendant ce temps, on a dit que les démocrates, le Sénat, que les républicains ont contrôlé Kounye là après la dernière élection 5 novembre, et bien, ils même tout, ils ont élu un nouveau leader majorité que les démocrates ont gagné et Kounye a assez républicains qui ont majorité dans le Sénat, Jacqueline. Merci, merci Jean-Robert pour actualité ça, actualité ici aux États-Unis. Actualité à même concernant le pays d'Haïti, eh bien, dans un point de presse, porte-parole secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, fait qu'on est, malgré suspension vol international sur Haïti, l'ONU a garanti que la continue opération humanitaire. Valérie Saint-Louis. Bonsoir, voilà. Dans un point pour la presse qui était bail dans quartier général Nations Unies dans Manhattan, New York, porte-parole secrétaire général Nations Unies, Stéphane Dujarric, t'es parlé de quatre pays d'Haïti. Li dit, on virer sur Haïti. Moi qu'a dit nous que secrétaire général là renouvelé appel li voyer bail tout monde qui n'a intérêt haïtien yo pour yo travailler ensemble pour accélérer transition politique là et puis restaurer institution démocratique dans pays. Il ajoutait que soutenir et puis augmenter support dans domaine sécurité pour Haïti était une urgence et cas critique. Secrétaire général là voulait assurer que mission support pour sécurité multinationale la MMAS là recevoir support, financement et équipement adéquat pour supporter police nationale d'Haïti avec efficacité. Il est essentiel pour force MMAS là appliquer mandat et puis élargir déploiement li ak opération li dans pays a. Porte-parole secrétaire général là continue pour dire hier sous secrétaire général nous dans département opération à tout le carré t'es assisté à une cérémonie dans bureau mission diplomatique pays Allemagne qui situé dans premier avenir pour recevoir engagement dans pays Allemagne pour 10 millions d'euros. Kounia ça fait que ça y aurait les paniers fonds yo vin te recevoir un total de 96.9 millions de dollars sous forme promesse avec 85.3 millions de dollars en l'argent cash. Stéphane Dujarric continue pour dire nous remercions tout État membre qui a contribué dans le fonds pour supporter mission MMAS en Haïti et nous encourager tout le monde qui a fait promesse. J'en nous fais ça dans tout appel que nous faisons pour nous faire promesse à nous tourner l'argent. Et toujours dans le moment que l'État parlait avec la presse, Stéphane Dujarric a ajouté que sous interdiction pour avion pas voler à l'Haïti que l'Agence Fédérale Aviation Agency, METEA, Nations Unies a continué à faire effort pour assurer que travail à coopération humanitaire continue à faire dans le pays sans danger et puis avec efficacité. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Merci Valerio Saint-Louis. Donc, dossier Haïti à tout partout sous planète là. Et département d'État américain lui-même dit Washington disposé travail avec nouveau et premier ministre haïtien Alix Didier Fizeme qui fait et pré-installation. Gentil Augustin Junior, gain détail. Administration aviation fédérale américaine interdit tout vol soit cap sorti ou soit entré en Haïti pendant une période 30 jours après gang Ameyo te tiré sous avion Spirit ak JetBlue qui t'a pral atterri dans aéroport Toussaint Louverture dans Port-au-Prince. Dans une conférence pour la presse, porte-parole adjoint département d'État américain te répond question
sous cas citoyen américain qui Haïti qui t'a envie quitter dans période interdiction ça. The best thing that any American citizen who continues Pi bon bagay n'importe citoyen américain qui toujours Haïti ka fè, c'est inscrit dans programme voyageur intelligent nou. Et puis, rete connecté ak département d'état pour dernières nouvelles sou ki jan restriction sou voyage yo ka changé ou soit pas changé. Recevoir mise à jour sou sécurité ak précaution et puis faciliter contact entre ambassade américain ak employé ambassade là si ta gen urgence. Paul adjoint dit tout, li songe, ça fait quelque temps. Même avant administration Biden nan, Haïti était placé dans niveau 4. Yon pays pour moun pas voyager était conseillé citoyen américain yo pour pas voyager Haïti depuis 5 mars 2020. Yon l'autre côté, nan yon note département d'état américain, les États-Unis espéraient travailler avec nouveau premier ministre Alex DJ Fizemi ak KPTA pour avancer ak priorité Ijan nan mwa kap vini yo. We welcome the TPC and the new prime minister and their commitment. Nou bat bravo pou KPTA ak nouveau premier ministre la. Ak engagement yo genyen pou publier yon plan action ensemble ki décrit vision yo pour améliorer sécurité ak gouvernance en Haïti. Nou pa katann pou n travay ak nouveau premier ministre la. Pi gros besoin pep haïtien yan exige gouvernement transition an bay priorité ak gouvernance passé intérêt personnel ak intérêt politique. Porte-parole adjoint département d'état américain yan di yo pran bon jan engagement pour continuer faire tout ça yo capable pour supporter ak résoudre crise insécurité Haïti ya. Mission MMS la continue à faire gros progrès nan ran stratégie mission an pi bon. Ak yon en phase sou comment pour travailler ensemble ak police nationale d'Haïti ya. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil, situation Haïti a surtout ak nouveau zak violence continue dominer actualité. N'a venu avec l'autre développement encore, l'un tourne toujours sous question Haïti. VOA Creole a permis depuis Washington DC et n'a continué avec actualité dans le pays d'Haïti. Qu'on y a nous pral gade qui j'en saye principalement dans Port-au-Prince, surtout avec zak violence kap continue. Mais au reportage. Bandi qui fait partie coalition Vive Ensemble continue si mendey dans la population civile là. Côté personne moun pa épanier. Docteur Deborah Pierre qui c'est une ra urologue pays à connaît compte parmi monde qui tombé en babal sanguiné yo hier mardi 12 novembre 2024 dans un quartier dans capitale là côté li gen clinique li dans même journée si là nous t'es capable compter tout pour petit cadavre deux jeunes garçons dans avenue Christophe côté la police a affronté groupe nèg exam qui dans direction site capitale là cap chercher contrôler plus territoire dans Canaran yo quartier populaire qui dans commune Croix des Bouquets gang qui gen en tête li Jeff Larose alias Grosloi dans un attaque yo fait dans sat plus précisément dans localité Neret ak Aral bandi yo mete di fe dans plus passé 10 kay nouvelle yo fait connait gen plusieurs moun qui sorti blessé dans attaque si là yo résident di nou jusqu'à matin coup de balle te continuer à chanter dans zone ça ça qui fait habitant yo pas suspend lancer alerte pour solliciter concours force de l'ordre yo faut nous dire situation si là yo pas arrêté sans conséquence. Côté organisation Nations Unies fait qu'on est suspend temporairement livraison aide humanitaire sur Haïti à cause accès dans port ak aéroport vinn paraître impossible. Une décision qui capable compliquer situation plus passé 5 millions moun ki nan besoin. En termes de réaction, ancien député Jerry Tadieu qui c'est tout coordonnateur groupe travail sur constitution GTC qui s'allie installation nouveau premier ministre là souhaite agir vite pour permettre la vie reprendre bien rapide dans pays a. Didier Fizemi, bonne chance. Nous pensons que le comprendre que l'urgence qui gagne un moment, c'est sécurité, sécurité, sécurité. Nous souhaitons tout que le prenne toute disposition pour le comprendre que une fois sécurité blague dans le pays, et c'est là que nous juger, nous avons bien pour nous préparer l'élection parce que le pays a besoin d'une légitime pour plus devant. Il faut porter parole changement, pas seulement parole changement, mais action changement pour Haïti. Suspendre faire back et marcher back pour plus devant. Toutefois, Conseil présidentiel transition qui condamnait attaque gang yo a fait dans pays a mandé population pour collaborer avec la police pour y mettre d'eau toute bandi à terre. Comme rappel, journée mercredi 13 novembre 2024 si là, marqué 6 l'année massacre la Saline. Yon zak qui rete impuni. VOA Creole, Port-au-Prince.
Tant qu'on était dans des Valerio Saint-Luc dit dans le reportage là, eh ben gagné Nations Unies qui dit que l'a continué avec opération humanitaire dans pays d'Haïti malgré et suspension volio. Et puis pendant ce temps gagné organisation Médecins Sans Frontières qui l'a gagné accusation sous de police nationale là comme quoi il a exécuté quelques passants d'après yon note limitée dehors. Steven Aristide a pris note ça pour nous. ONG Médical Médecins Sans Frontières fait qu'on est lundi 11 novembre 2024 là pendant qu'on a transporté trois jeunes qui blessés par balle dans un centre sur Gagné Douya. La police t'a arrêté et contraint de transférer dans l'hôpital public. Côté la police t'a pas l'exécuter par sans ça tout de suite après. Dans un communiqué publié jeudi mercredi 13 novembre 2024 là, équipe Médecins Sans Frontières a fait qu'on est, c'est un groupe autodéfense à quelques officiers police qui t'a arrêté ambulance dans Port-au-Prince. Yo continuer pour faire connait, yo attaquer même personnel yo qui était dans ambulance très violent. Yo insulté yo, ba yo gaz lacrymogène, faire menace la mort et même kembe yo contre volonté yo. Chef mission MSF là en Haïti qui s'est gagné Christophe déclaré. Équipe nous a besoin un minimum sécurité pour yo capable continuer faire travail médical yo. Depuis après nomination à Alix Didier Fizeme comme premier ministre qui remplace Gary Conille dans pour ça, zone métropolitaine a connu une vague violence qui la cause toute compagnie avion commercial yo campé vol yo sur Haïti dans un temps qui pas déterminé. Moi, c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Fon dit que correspondant nous Steven Aristide était prêt contact avec un porte-parole police nationale là qui pas en mesure lui-même pour te réagir et nous même dans Washington nous t'ai essayé tout joindre gros responsable dans PNH là mais sans succès mais micro nous toujours été ouvert pour yo. Pour si yon même yon ta gagné yon réserve sous notre Médecins Sans Frontières. Toujours dans le pays d'Haïti, journaliste ak employé programme national cantine scolaire soti blessé nan yon laissé frapper entre ancien fatizan ancien coordonnateur ak nouveau coordinateur. Yves Manuel gen détail depuis Port-au-Prince. Plusieurs employés programme national cantine scolaire PNCS blessés hier matin pendant yon escombrite bon côté individu qui présentait tête comme partisan nouveau coordonnateur qui venait d'Orville laissé frapper ça t'est fait en dehors yon conférence pour la presse côté employé t'est compté dénoncer nomination yon jugé qui illégal bon côté nouveau coordonnateur qui remplaçait Gina Guillet de la Tour employé PNCS qui mécontent t'es convoqué la presse pour dénoncer ça au relais un coup d'état contre madame Delatour dans cette institution marchandage politique qu'a fait dans dossier PNCS là li pap ka fait encore et nous mandé des grâces pour ti moun yo ki grand goua personne militant personne responsable pas besoin vinn kebe prétexte c'est ou même k'a vinn bay ti moun yo manger pendant nous tout connaît pas gen budget pour yo acheter manger. En plus, employé qui blessé, gen journaliste tout qui agressé nan bureau programme national cantine scolaire. Nomination Kevin Dorville l'en fait en dehors la loi, li fait en dehors norme juridique selon dénonciation protestataire. Faut que l'État ressaisisse, l'État ressaisisse dans la forme, il a changé moun en dans système là. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Antoine Augustin installé la veille Kevin Dorville dans local institution générale ministère l'évasion nationale par rapport à escombrite qui pété dans local PNCS là intervention la police te permet li limiter dégâts yo mais situation toujours été compliquée nan niveau PNCS. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Actualité apmené nous dans le département sud pays malgré un bon parti dans ville Okaï et ben toujours chargé à glo et ben activité reprend timidement après gros la pluie qui t'a provoqué inondation et ben t'es la cause tout toute activité t'est paralysée hier. Jean-Ernst Eliscar gain détail. Toute activité était paralysée dans ville Okaï jeudi mardi 12 novembre 2024 là à cause de la pluie qui t'a tombé. Situation ça, la cause dans plusieurs quartiers dans la ville là inondé, rivière yo té descend, en pile famille té obligé quitter caillou à réfugier dans l'autre zone. L'école, magasin, la banque té tak porte fermé. C'est une situation qui té créé gros vent panique dans mitan population Cayenne. Quelques citoyens dans la ville là qui pas de les figure paraître critiquer autorité locale yo. Yo di ki kite moun konstoui n'importe ki kote.
Bon, ça qu'on fait là, qui vous fait de l'eau aller dans la mer, là, il y a un pile problème au caille. Parce que grand pile caille et pont gombo, il faut être écrasé. Pour être capable de faire chemin pour de l'eau à passer. Parce que tout le pont gombo en face qu'il y a des hommes, là, c'est là et toute l'eau, la ville là, la grand boucher, descend vers la grand boucher. À la mettre que il n'y a pas débouché zone ça, il y a toujours des problèmes de l'eau, car il n'y a pas de résoudre. Jusqu'à présent, autorité locale, Pokobay, yon bilan après inondation. Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, Okaïf. Oui, ou sous VOA Creole, on suit un programme dans la langue créole haïtienne. C'est une deuxième pause, prête et branché. Actualité internationale, nous parlons d'abord dans la région Moyen-Orient. Yon frappe l'armée Israël tombée sous yon kay dans nos villes Gaza. Trois frères axeurs qui gagnent 6 ans et moins, parmi eux 6 timoun, et ben yo 6 moun pito, et ben yo mouri d'après quelques docteurs palestiniens. Dans le Liban même, l'armée État hébreu a attaqué un bâtiment qui gagne plusieurs appartements dans le sud Beyrouth. 6 moun mouri et gagne 15 autres qui blessés. Ministère Santé publique Gaza, que Hamas a dirigé, dit plus passé 43 000 moun mouri dans la guerre Israël-Hamas là. Et puis, dans l'autre côté, dans l'autre point international, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a trouvé dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, pour sous question la Russie-Ukraine. Et M. Blinken fait connaître que le président Joe Biden a intention de renforcer le soutien militaire dans l'Ukraine dans le dernier mois d'administration. Chef diplomatie américaine fait déclaration ça après la Russie mené une offensive sophistiquée contre l'Ukraine dans la ville Kiev. Et puis, membre garde national, l'armée de l'air, Major Sousset, Jacques Teixeira, condamné hier mardi 12 novembre nan, pour passer 15 ans en prison. Raison, c'est que il était mis dans la rue gros documents secrets, l'armée, parmi eux, quelques documents qui ont rapport avec l'invasion de la Russie dans le pays Ukraine. Teixeira a été plaidé non coupable pour 6 chefs d'accusation, parmi eux, le fait que il était partagé informations et top secrets. Ou toujours sous VOA Créole, ou à suivre un programme dans la langue créole haïtienne. Moi, c'est Jekonia, VOA Créole, à Pménéon, dans le Brésil, côté où vous suivre un nettoyage la main. Marie-Luc Pierre. Militants et volontaires étaient réunis dans Rio de Janeiro samedi pour nettoyer plage dans le cadre de la célébration mondiale nettoyage. Le groupe qui rencontre chaque année d'extra assistance dans les 60 canottes. Collecter fatra dans de l'eau. Action ça visait encourager conscientisation et spécialement problème pollution plastique. D'après volontaire Patricia Gomes Lopez. Je pense que c'est un très bon bagage que Timon qui a tout l'âge. Action ça visait faire promotion sociale à conscientisation et spécialement action ça visait encourager. Nous pensons que c'est un bagage qui est très bon pour Timon. Depuis un âge très jeune, Timon est à lui prendre conscience de l'importance qu'il gagne. Non, pas quitter fatra sur plage là. En plus de fatra visible pour les prix sur plage, il y a une grosse inquiétude avec Sanokawe, microplastique là. Une expédition Sea Shepherd, en partenariat avec l'Université Sao Paulo, qui était publiée dans jeudi, identifiait présence microplastique sur 97% de la plage brésilienne. Microplastique, Jean Noir indiqué là. C'est des petites particules plastiques qui sortent, par exemple, dans jeter mauvais emballage, avec la verrade qui fait avec fibre. Je dis à microplastique, c'est un polluant principal dans l'océan. Et plusieurs études montrent que très dangereux, non seulement pour la vie marine, mais tout pour être humain qui mangeait poisson et qui accumulait ensemble dans manger chien. Je dis à ces microplastiques qui sont principal polluant dans l'océan dans diverses études. Diverses études montrent que c'est très dangereux. D'après toujours dans le pays Brésil, nous connaissons emblématique Christ Rédempteur, ville Rio de Janeiro. Eh bien, l'illumé à toute couleur la France. Eh bien, couleur drapeau français, rouge, bleu, blanc. Eh bien, l'illuminé Christ Rédempteur, tant qu'on capabouel, c'est en fait pour célébrer le lien qui existait entre le pays la France avec le pays Brésil. Événement ça fait partie de ça où il y a une campagne qui est le Make It Iconic, ça veut dire faire le tourner yon bagay historique et avec promotion qui fait que consulat pays la France l'a fait et il a fait promotion tout avec consulat France là et archidiocèse Rio de Janeiro et ben tout ça il a fait promotion tout pour coopération qui existait entre deux pays.
Moi, c'est Jacqueline Belizère. C'est un plaisir pour me t'avoir. Et toujours. Chacun mon yo diyan, sans tap chercher à nous jouer, je diyan par rapport avec sa capacité dans le pays. Et quand mon qui dit qui va chercher des sans tap chercher à nous jouer, pas vrai? Parce que les qui comprennent que le problème Haïti, c'est comme quoi m'a dit que son bagage qui easy. Mais le problème Haïti, mais laissez-moi dire tout autant que gagner. Jean de Mounsayo, comme nous relè autorité, Jean de Mounsayo, que nous relè leader politique, Jean de Mounsayo, que nous relè et qui fait partie secteur privé oligarque corrompu, tout autant c'est Mounsayo qui a décidé pour nous. Eh bien, problème nous, misère nous, eh bien, fait carré exister. Et laissez-moi dire que vraiment commencer gagner de bataille là nan mit plusieurs conseillers président et de proche Alix DJ Fizeme. OK, nan mit Alix DJ Fizeme de proche li m'a capété et deux membres dans secteur privé qui voyait Alex DJ Fizeme. Parce que gè de ministère que nous songe que nego t'a goumé avec Gary Koni pour ministère régalien tant que économie, planification, justice, intérieur. Eh bien, je dis à gon bataille qui a fait là entre secteur privé qui voyait Alex DJ Fizeme et équipe DJ Fizeme et conseil président yo, parce que nèg yo besoin mettre deux moun que dans ministère régalien sa yo, deux moun qui yo capable contrôler, deux moun qui malléable, deux moun yo capable manipuler. Et je dis c'est ça qu'a fait là. Et gien de moun que société a été rejeté. Société a te voye jete pour passer dans l'État. Et je dis là, eh bien, dans la formation gouvernement Alex DJ Fizeme, eh bien, yo ge en pile chance pour que moun sa yo retourne là dans l'État. Est-ce que, et parce que te bien servi l'État qui fait retourner, est-ce que c'est parce que y'a bin permettre que des autres qui ont fait dans l'État, qu'elle continue à faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que, par exemple, là, pour un acteur qui doit être dans Saint-Ville, on regarde passer monsieur comme doyen, que non la cité pour le Tavine, ministre de justice, dans la place de M. Carlos Hercule. Je dis, on va faire quoi avec moi? Que en pile moun ke m kontan de la k ap pale sou rezo an, en pile moun ke m kontan de la k ap reagi la nan emisyon nou yo, yore wè un ekta kou Luc Mandelil comme ministre justice, yore un ekta kou Muscadé comme ministre justice, bien que Muscadé dou li menm ni pa nan baye sa ki de l kote liye an, parce que la pi à l'aise, la pi facile pou li pou ke li kapab fè sa la fè an, jan la rétabli autorité l'état nan département du pays an. Mais vini avec Douane Benassevil comme ministre de justice. On met quoi me sauver? Gè yon sèm de dossier qu'on a enterré. Et wè sèm ga di nou ekril. Wè quel que soit moun que KPT a choisi k'ap vini ministre de justice là, li pral tout enterré dossier trois conseillers que nous cité dans ce qu'il y a la corruption. Ekri sèm di nou. Quel que soit moun que conseil présidentiel transition OK pral choisi la comme ministre justice
li pral tout enterré dossier trois conseillers qui impliqué épinglé dans scandale corruption BNC en parlant de Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire, Smith Augustin. Et je dis à laissez-moi reprendre. Les qui me dit que pas de bataille pays qu'a fait là. Ou capable d'accord avec parce que ou qui était à côté ou même ou penché. Ou cap pas d'accord avec parce que qui position. Mais je dis à dans la réalité pas de cause pays qu'a réglé là. Depuis presque fin mandat Jovenel Moïse comme président rivé jusqu'à jounè jodi an la, eh bien pas gè kozé pays k'ap réglé parce que quelque part Jovenel Moïse comme président pays an li té dwe prendre des dispositions pour organiser élection pour poste sénatorial chaque 2 ans chaque 2 années. Et ça qui pas arrivé fait, qui vient créer un vide dans le Parlement, et vient jouer pendant la période présidence Jovenel Moïse, non. T'es 3-10 ans, t'es gagné opposition, même bien dit. T'es 3-10 ans, t'es gagné opposition. Ok? 3-10 ans, une opposition. Opposition barricade. Opposition André Michel. Marjorie Michel. Nenel Kassi, Rika Pierre Donkato et Valère Beauplan. Opposition Yuri La Tortue. Opposition et Sorel Jacinthe. Opposition Fusion et Monsieur Bozil. Opposition de Moun qui au même qui te prétend que yo t'apprête changer de néo et qui te dit que c'est Jovenel qui pas capable. Allez Jovenel, allez paye ap gen sécurité, paye ap gen la paix, paye ap gen ceci, paye ap gen cela. Eh bien, opposition ça je dis hein. Eh bien, c'est lui qui ban tout ça ni là tout avec manque de volonté quelque part que ancien président, alors président Jovenel Moïse lui-même qu'il pas manifesté tout quelque part. Tu Jovenel t'a pété langue avec monsieur yo. Peut-être sur certain parce que le t'a intérêt par lui-même. Mais si président Jovenel Moïse, il t'a metté tension dans taille comme président dans période là, il t'a dit monsieur, la mettez pays et camper avec ça les institutions étatiques nous yo, personnel politique nous yo, je dis en là malgré tout désordre qui gagne là, mais monsieur est certain que nous pas t'ap gagne la dimension ça. Mais comme opposition dans la période dans tout, n'est-ce pas voulu pour dégager l'élection tout. Pendant Jovenel Moïse quand même, peut-être il était un problème par le côté pâle, mais opposition à l'époque là, opposition originale Boulos là, opposition Dimitri Voblan, opposition oligarque corrompuyan, yo même tout, yo t'a financé de nek ak femme dans opposition hein, politique, et puis yo t'a kadkrasé donné parce que Jovenel Moïse, Jovenel t'a attaqué intérêt nek yo. Ok? Jovenel t'a attaqué intérêt nèg parce que li t'a coupé un ensemble de contrats surtout dans question courant. OK? OK? Yeah. Mais je dis hein, si la vive, tout ça la vive la yo, d'accord avec
on pas innocenté tête nous. Ah oui. On pas innocenté tête nous, on nous dit que nous responsables de situation Haïti a connait là. Nous responsables de situation Haïti a vivre là. Ah oui, nous responsables de lit. Et c'est vraiment malheureux que pays arrivé dans niveau ça. Parce que nous pas, par contre qui ça nous y est. Par contre qui ça nous y est et ça qu'a fait ça qu'a réglé, par contre qui ça nous y est. OK? Nous seulement à vivre une situation spéciale. Nous seulement à vivre une situation spéciale. Yeah. Une situation spéciale que nous vivons là. Mais malheureusement, que situation spéciale que nous vivons là, peuple haïtien, c'est plus gros victime. Et gros gagnant, c'est capétéen. Gros gagnant, c'est de moun dans secteur privé oligarque corrompu. Gros gagnant, c'est de moun dans de parti politique, des leaders politiques qui ont même accouché ça là. C'est eux même qui c'est plus gros gagnant. Mais perdant c'est peuple haïtien. Parce que je dis en bandi en meyo, coalition vive ensemble, yo décidé pour que aucune école pas fonctionner dans la région métropolitaine Port-au-Prince-là. Coalition vive ensemble, yo décidé pour que aucune école pas fonctionner et activité, ti activité, gros business, ti business, prio pas fonctionner. Prio pas fonctionner. Qui donc je dis, hein? Ça pour nous comprendre. Je dis, hein? Ça que pour nous garder et avec ça là comme situation, hein? C'est dit nous vraiment qui c'est prendre. C'est mêler le mêler. Et j'aime dire là, gros bataille sérieux qu'a fait là. Gen on qui commence après aller là et gen qui commence à faire quoi? Gen de nous commence à citer là, ne commence à faufiler vos étinons là. Et tel, prends tel pour maintenant. Et tel, mettez tel pour maintenant. Et tel, mettez tel pour maintenant. Et tel, prends tel pour maintenant. Ah oui! Ah oui! Gâteau à séparer là. Gâteau à Haïti à séparer là. Dans le ministère, dans le mairie, dans la direction générale, dans la secrétaire d'État, gâteau à séparer dans le moment. Ah oui, et que de nous là, les arrêtés qui pral sorti, qui pral peut-être, ma connaissance, si ap retourne avec deux ministres, alors, ministres qui dans le gouvernement, ça là, à Gary Kouni là. Ma connaissance, si ap retourne, ok? Ma connaissance, si ap retourne, avec quelques ministres du gouvernement qui ont là. Mais ça m'a dit. OK? OK? Mais ça m'a dit. OK? Je dis, hein. Peuple haïtien. Je dis que chaque haïtien que petit pays en lui-même en soi comprenne. OK? Comprenne que bataille pour libérer pays ça
bataille pour sauver pays ça, bataille pour libérer pays ça, je dis, hein. Li pa on bataille qui piti. Li se on bataille qui gonek en pile. Yeah. Bataille pour libérer pays. Hein. Bataille pour sauver pays ça. Li pa piti. Il vraiment pa piti. Mais kounya pendant que le pa piti, hein, côté volonté peuple haïtien pendant que bataille ça pas petit c'est vrai mais côté volonté peuple haïtien est-ce que en réalité quoi c'est vrai à nous? OK. Parce que en nous sérieux je dis hein. En sérieux. Est-ce que nous voyons qui ça paye à tomber là? Pendant que pays a perdu un cerveau, qui c'est docteur Deborah Joseph, urologue. Et en Haïti, il y a plus de femmes qui spécialisent dans l'urologie, comme si qui gère partie garçon, intime garçon. Parce qu'il y a plus de garçons qui spécialisent dans l'urologie, comme médecin professionnel. Haïti, il y a plus de femmes comme médecin. Et qui décide à spécialiser dans l'urologie. Le pays n'a pas pile. Mais je dis à bandit touye, docteur Deborah Joseph. Et papa le prend balle. Et pendant que docteur Deborah Joseph est campé devant la clinique dans Rue Camau. Dans Rue Camau. Je dis ça pas du moyen. Déchira mon homme, ça pas du moyen, frère. Gabi Guerrier, comme chef de l'armée d'Haïti, ça pas du moyen. Mon capet à qui là, ça pas du moyen. Nouveau PM n'a déjà arrivé là, Alex Didier Fizeme. Ça va arriver dans les oreilles ou? Pour nous que je dis à pays a pas qu'à continuer dans l'état que lié là. Pays a pas capable. Moun yo pas capable, moun yo pouke, moun yo about mes amis. Mes amis en sérieux. Imaginez-vous. Déjà bagay en pile qui était comme intellectuel, comme professionnel, qui servi pays. Si ça rete, c'est risqué, risqué. C'est un choix qui est fait. Et puis, vous y a mouri dans de mauvaises conditions, babalement dit armé. Hein? Y a mouri. Docteur Deborah Joseph, jeune médecin urologue. Monsieur est certain. Ligue petit, ligue mari. Monsieur est certain. Ligue petit, ligue mari. Et je dis, hein, mais ça paye à remettre li. Je dis, hein, mais ça. Classe politique haïtienne remettre li pays remettre famille. Je dis à mes ça oligarque corrompu secteur privé affaires haïtiennes certains monde diaspora société civile droits humains la presse ensemble secteur qui je dis contribuer dans mettre Haïti côté là mais ça nous remettre by famille Deborah Joseph qui mourit
comme urologue qui mouille en babal bandi armé devant business li pendant qu'il était décidé engager pour te servir pays il te gen opportunité pour te quitter pays ça il te gen opportunité pour te quitter pays ça mais te fait choix après que te fin fait spécialité dans urologie il te décidé rentrer dans pays pour la servir pays. Mais ça paye à Bali. Mais ça, nous-mêmes, nous Bali comme politiciens, secteur privé, international, non. Mais ça nous Bali. Diaspora, mais ça nous Bali. Nous Bali la mort. Mais ça nous Bali. Nous avons fini avec jeunesse paysan. Nous avons découragé jeunesse, non. Nous avons découragé. Et je dis, hein, m'blé que. Ok? M'blé que y a pile nan nou. A pile nan nou. M'blé que y a n'kopren, je dis. Hein. Ok? Ok. M'vle qu'il prenne conscience. Ok. M'vle que chaque graine dans nous. Comprendre que Haïti pas carité comme ça. Imagino. Oui. OK. OK. Je dis en moi-même, moi crois que Haïti pas gain droit péri. Même crois que changement haïtien je kime toujours dit li besoin engagement chaque grain dans nous. Yeah. Changement haïtien. Faut nous faire. Parce que même nous va nous comprendre très bien. Moi, je toujours dit nous ça. Je ne vais pas payer des riches. Je ne vais pas payer des réserves moi-même. OK? Je vais payer des réserves. Je vais gagner. C'est Haïti qui gagne. Et je dis, je vais regarder pour moi. Est-ce que avec rivé Donald Trump j'ai en pile ici a dit que administration Donald Trump non l'elle vini là il va porter bourade avec ça qu'elle en Haïti hein n'a aimé ça n'a aimé ça et en pile ici a attendre ça yeah. En pile haïtien attendre ça parce que pas capable encore imagine regarder American Airlines qui fermé qui pas fait vol sur Haïti pendant 3 mois yeah American Airlines pas fait vol sur Haïti pendant 3 mois pendant 3 mois pendant 3 mois Spirit JetBlue
yo pas fait vol sur Haïti tout pendant 30 jours yo même et ça qui arrivé yo prolongé le ça qui arrivé prolongé le ça qui arrivé prolongé le si toutefois que situation li même n'est pas li pas retourner dans normalité l. Et mbaba non menti moi poukou wè que situation pral retourner dans normalité là. Parce que pa m di nou bagay. Si pas vraiment gen plan. Si pas vraiment gen plan, un plan qui pou permettre que problème haïtien bon j'a solutionné. Problème haïtien bon j'a résoudre. Si c'est si ça moi k'a fait là. Si c'est ça moi k'a fait là ou là, c'est la vie mes sué à terre. Si pas gagne un bon jeu décision qui prend. Si pas gagne bon jeu décision, bon jeu engagement qui prend. OK. Ça gagne là comme problème haïtien. Ça qu'a passé là comme situation haïtien. Mais c'est me dit non. C'est que problème non, il va jamais arriver résoudre. C'est volonté d'abord qui vous gagne. OK. Doué que volonté d'abord et volonté bon côté responsable. Yeah. Bon côté responsable yo. Moun nou rele autorité yo. Moun nou rele dirigeant yo. Yeah. Si la nou rele autorité yo. Si la nou rele dirigeant yo. Mais si bagé bon jan volonté réel manifeste qui prend eh bien, faites carré dans le problème. Faites carré dans le problème. Faites carré dans le problème. OK? Faites carré dans le problème. Et je dis, hein, je dis, chaque monde, chaque haïtien, chaque secteur doit être capable de comprendre que le pays d'Haïti n'est pas arrêté comme ça. Parce que, bon, je dis à tout pays qui courir derrière nous, tout pays qui est prétend ses amis, nous, si nous avons un problème, nous sommes capables de courir là. Bon, c'est demain qui pipre nous. C'est demain qui pipre nous si nous avons un problème, si nous avons tête fait mal. Nous ka courir rive kay voisin. Je dis à même c'est demain pas le recevoir nous. Et l'intervalle de 2 mois. Depuis les que Luis Abinadel li lancé cause bay déportation là. Geta gagné plus que 48 000 compatriotes haïtiens qui déportés. C'est bon. Depuis les que Donald, alors, et Luis Abinadel, t'es mandé, pour que OK. Mandé pour que situation haïtien pour que mandé avec administration là pour yo capable prendre des décisions
pour yo déporter haïtiens qui irrégulier la caillou. Eh bien, de 2 octobre à